la musique. La musique. Qu'est-ce qu'on fait des fruits? Donc c'est ça on trouve à Cana. Il y a du lait, il y a du miel, il y a pas des grenades. C'est quelle vache qui a fait ça? La vache qui rit. Il y a du piment. Pour faire le bon poisson, tout. Et ça c'est le ticket. Amen. Amen. Il est vivant.
Thank you.
I'm
tous ses enfants et ses petits-enfants. Et nous allons rentrer à Canaan au nom de Jésus. Yes, 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 yes. Bon, nous allons présenter notre papa. Amen. Nous allons présenter notre papa. Il est arrivé, on l'a accueilli, on est content de lui. Et on va lui donner le micro. Papa, bonne arrivée. Parce que son nid c'est là-bas. Et dans la chanson, il faut être comme cet oiseau. Les cocos. Il faut persévérer jusqu'au bout. Amen. Il faut aller jusqu'au bout. Et on dit, quand j'étais dans le passé, je servais le diable. Maintenant, c'est Dieu. Mais je vous annonce que Jésus revient bientôt, donc il faut persévérer. Kitoko le kabale kabao, eliye la gola e dreno.
Il dit, j'honore celui qui m'honore.
Si tu honores Dieu, il va aussi t'honorer. C'est comme ça, c'est. C'est la loi divine. C'est comme ça. On dit Dieu, vous organisez des cultes. Et puis vous voyez ça en connerie. Dieu, nyéni, nyéni. Merci, madame. Nyéni et puis nyéni. C'est pour ça que quand les choses de Dieu, il dit, malheur soit lui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Si tu veux, il ne faut pas faire. Mais si tu veux faire, il faut que tu mettes ton cœur. Tu y mettes ton cœur. Parce qu'on t'aimerait que ta maison soit. Ce n'est pas une question de grâce. Nous sommes tous venus, moi et toi, à rencontrer un véritable Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et quand c'est bien fait, quand le cœur de Dieu résulte béni. Amen. L'or et l'argent partent de Dieu. Amen. Tout ce que nous avons besoin, tout ce que Dieu attend de nous, c'est notre adoration. Amen. Vous l'adorez combien? Comment? Comment? Amen. Amen. Je disais, c'est un frère. Le jour où on dit allô, le lundi, Macron te reçoit à l'Élysée. Si tu veux prendre veste, c'est ta femme qui va t'insulter pour dire ah! Ils sont habitués à ça. Ils vont les prendre prêts pour dire à l'or, Caïri, la faillite. Tu veux nous tuer ou bien? Les premiers à t'attaquer, c'est ta maison. Tu dis, mais attends, tu penses que tu vas où? J'ai arrivé où il y a des macrons? Qu'est-ce qui se passe? Toi, tu dis, ah non, il ne connaît pas lui, mais non, c'est pas ça, c'est eux-mêmes. Parce que regardez comment les gens donnent de la valeur à des personnalités. Dieu est plus grand que ces personnes. S'il faut qu'on mette de l'argent dans une décoration pour la gloire de Dieu, ne voyez pas Crasso, ne voyez pas tout Pentecôte authentique, mets dans ta tête que tu es en train d'adorer Dieu. Dieu, il cherche les vrais adorateurs. Amen. Il cherche les vrais adorateurs. Il dit, ne viens où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorant Dieu en esprit et en vérité. Vous devez démontrer à Dieu que vous l'aimez. Amen. En vous investissant dans un culte, vous vous dites, nous devons, pour ce qu'il a fait pour nous, pour ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous, pour la mort de Jésus à la croix, frère, ça n'a pas de prix. Tout ce que nous pouvons faire, qu'on dit, viens le servir, il faut le servir de tout cœur. De dire, ah non, ça coûte cher. Un sacrifice de grand prix, la mort de Jésus, pour toi et moi, qui ne méritent même pas être ça. Vous comprenez? Alors ça veut dire, c'est votre tour, c'est votre temps d'officier un culte. Ne jouez pas avec ça. Même si c'est des centaines, des mille, que vous pouvez mettre des euros dedans, faites-le pour la gloire de son nom. Amen. Ce que vous faites là, ce que vous êtes en train de faire, ça marquera Dieu de telle sorte. Amen. Il écrit, inscrira vos noms dans son livre de souvenirs. De telle sorte que vous serez bénis et tout votre progéniture. Vous savez, la Bible déclare, et c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Ce qui rend l'homme riche, c'est sa bénédiction. Amen. C'est la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas son âge. Pour avoir des centaines, pour avoir un milliard d'euros, si ce n'est pas béni, ça va se gâter. Les gens qui ont été bénis dans la Bible, ils ont marqué Dieu. On dit à Salomon, Salomon vient adorer Dieu sur la montagne. Il suivait les coutumes de son père, David. Quand David est mort, la première offrande que fait Salomon, c'est 1000 holocaustes. La même nuit, Dieu se révèle à Salomon pour lui dire, demande-moi ce que tu veux. Je te le donne maintenant. Amen. Et le monsieur, il est humble, il dit non, il ne faut pas me rendre pauvre, il ne faut pas me rendre riche, il n'y a qu'à dominer. Et puis, donne-moi la sagesse. Le Seigneur dit, arrête tes conneries là. Arrête ça. Je vais te donner ce que tu n'as même pas demandé. Amen. Hein? Quand je regarde, qu'est-ce qu'il a marqué Dieu? Est-ce que tu peux marquer Dieu? Dieu dit, avant toi, avant la création, personne ne sera riche comme toi. Et après,
protection. Yes. Amen. Parce que ce monsieur a marqué Dieu. Le jour où tu marqueras Dieu, Dieu bénira ta vie. Amen. Il bénira ta maison. Le salut, il est personnel et militaire. C'est pas collectif. Ne mettez pas dans votre esprit que non, c'est lui-là qui doit faire, on ne doit pas faire. Non. Le jour qui marque Dieu, Dieu ouvre les écluses. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez. Exactement. Une épreuve n'est pas facile. Elle est douloureuse. Il faut faire sortir de l'argent. C'est plein de douleurs, mais c'est ça l'épreuve. Et vous verrez, si je n'occupe pas pour vous, c'est-à-dire que sans l'épreuve, les écluses ne s'ouvrent jamais. Dieu, il faut comprendre Dieu, il faut le connaître, c'est comme ça il fonctionne, c'est comme ça il marche. C'est cela que lui-même, pour bénir l'humanité, il fait le sacrifice le plus important en donnant son fils unique, Jésus. Il est notre exemple, notre modèle. Tu ne marques pas Dieu, Dieu, tu ne dis rien au Seigneur. Il a dit à Abraham, je bénirai ta vie, ta descendance, elle sera nombreuse comme le sable de la terre. Ça, c'est rien. Mais il dit, donne-moi ton fils. Le jour où Abraham a fait le sacrifice d'Isaac, Dieu dit, je jure par moi-même, à cause de l'acte que tu viens de poser, je sais cette bénédiction, tiens la bénédiction. Il avait parlé, mais il vient de concrétiser à cause du fait que Abraham a donné le sacrifice d'Isaac. Tu fais quoi pour que Dieu se souvienne de toi? Ah Seigneur, je fais pitié. Dieu s'en fout de ça. S'il vous plaît. Je dis au Seigneur, il s'en fout de nos pleurs. Ah, les gens, mais ils conditionnent. Si le Seigneur, si tu ne me bénis pas aujourd'hui, tu ne me fais pas ça, je ne fais pas l'église. Reste dans ta chambre, tu vas mourir là-bas. Tu iras en enfer. Vous savez, Dieu n'a pas besoin de chacun. Il n'a ni besoin de moi, il n'a ni besoin de toi. Il se suffit. Malgré ça, il va manifester son amour en donnant Jésus. Amen. Amen. Il dit, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Amen. Toi, tu fais quoi Dieu? Tu as fait quoi Dieu? Puis c'est toi, tu lui poses des conditions, tu dois faire ça. Frère, il n'est pas notre camarade. Comprenons ça déjà. Que Dieu, il n'est pas ton ami. Et il y a des gens qui le boudent. Mais attends. Il n'est pas ton camarade. C'est à toi de permettre à Dieu d'avoir le regard sur toi. En le marquant. Ce n'est pas lui qui envoie la souffrance dans ta vie. Ça vient de quelque part. Ça a des origines. Lui t'a envoyé Jésus-Christ. À toi de l'accepter. Si tu joues avec ça, tu péris. Tant que vous ne marquerez pas Dieu. Il y a des gens, c'est quand ils souffrent, ils sont fiches de Dieu. Non, depuis Satan. Dieu s'en fout de ça. Je vous dis aujourd'hui. Il s'en fout de ça. C'est le jour qu'il va comprendre qu'au-delà de ta souffrance, prouve-lui ton amour. C'est là que tu verras Dieu descendre. Je n'ai jamais vu quelqu'un que Dieu a béni sans épreuve dans la parole de Dieu. Sinon, regardez l'Israël. C'est l'image de l'Église. Israël est l'image de l'Église. Avec beaucoup d'épreuves jusqu'à Guantanamo. Non, c'est-à-dire, je viens à l'Église, tout est difficile. Tout est. Pourquoi? Non. Dieu même, je suis déçu. Hein? Il y a des gens qui vont plus loin pour dire, ils sont déçus du Seigneur. Et ils donnent au Seigneur. Dieu s'en fout de toi. Il s'en fout de toi. La première personne à abandonner Dieu, c'est la race humaine. Vous péchez contre l'Éternel, lui vient dans le jardin, vous fuyez. Il dit où vous êtes. Non, c'est caché parce qu'on est nu. Hein? Dieu vient d'être l'être humain. Et l'être humain a peur parce qu'ils sont cachés, parce qu'ils sont nus. Ah bon? Qui vous a dit vous êtes nus aujourd'hui là? Est-ce que c'est parce que vous avez mangé le fruit et le monsieur l'attaque, Dieu vous dit, la femme que tu as mise près de moi. Ah, tu m'accuses. Quand tu l'as vu, tu dis les os de mes os, la chair de mes os, tu l'as embrassé un peu. Et puis aujourd'hui, tu m'accuses. Madame Ève, qui est Madame Adam, le monsieur dit, elle dit non, c'est le serpent. Et là, comme ça, la malédiction est tombée sur la race humaine. Ce
C'est parti de quelque part. Il y a pas de repentance. Pour vous dire avec moi, c'est nous qui avons besoin de lui. Soyez beaucoup humbles. Soyons humbles dans la recherche avec l'Éternel. Sinon, on n'est pas loin de nous. Mais on est plein d'orgueil. On pense que non, ça suffit. Et nous-mêmes, si on ne vient pas. J'ai toujours dit aux gens, amen. Sans vous, sans moi, sans chacun d'entre nous, l'œuvre de Dieu continuera. Amen. C'est comme ça, ça a été toujours. Amen. Amen. Sans toi, ni moi, Dieu continuera de faire son œuvre. Il a dit, si elle se perd, je vais chercher les pierres. Pour vous dire, il s'en fout. Nul n'est indispensable pour l'œuvre de Dieu. Nul n'est indispensable pour la maison de Dieu. Mais c'est un honneur. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Alors si tu t'as sauvé par plus grâce, il faut le servir. Est-ce que c'est dans les couloirs qu'on te voit pas? Tu sais ce que Dieu, tu fais pour Dieu? Tu sais au moins ce que tu fais? Chaque jour, nous péchons contre l'Éternel, il nous fait la grâce, il nous pardonne. Amen. Aimons le Seigneur, servons-le. Quand un culte est bien organisé, l'onction baisse. Amen. C'est ce qui est vrai. Dieu n'est pas dans les conneries. Excusez-moi de vous choquer, mais c'est comme ça. Dieu même choque les gens et puis les bénit. Amen. Il dit dans sa parole, j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. Il dit, mais quand avons une vie, avoir soif et tout ça, toutefois pour faire ça, l'aime mes petits, c'est à moi qu'il avait fait. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Amen. C'est qu'un homme ressent, c'est la même chose que Dieu ressent. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Dis à quelqu'un, tu es béni. Amen. Dis à quelqu'un, tu es béni. Amen. C'est merveilleux, Dieu. Dis amen. Qui croit ça? C'est merveilleux, Dieu. Alléluia. Amen. Ça vous va, Caleb? Amen. Assez beau? Il a habillé comme David. Je peux faire le verre à mon papa. Je l'ai vu, dit, c'est arrivé là-bas. Ça, ça fait partie de la décoration. La clame du Seigneur. Amen. C'est tout ce que nous voulons, c'est tout ce que Dieu attend de vous. Voyons vous les vrais adorateurs. Il y a une fois, il y a quelqu'un qui est une femme qui ne demande pas ça. Non, chérie, je t'aime. Comment? Tu mets comment? Parce que tu envoies les textos. C'est comment tu mets? Tu n'es pas concret. Les temps d'enfants font des cadeaux. Amen. Celui qui dit qu'une femme ne fait pas de cadeaux, il est possédé. Amen. En semaine, j'ai checké, j'ai fait des cadeaux à ma femme. J'allais prendre la porte, j'ai dit, tiens, quatre chaussures, elle est content. Quand une femme est contente, elle prépare trop de choses pour toi, tu m'as dit. J'ai vu ça, c'est des belles chaussures. Hein? Tu penses que c'est connerie dans la main. Tu es une femme de je t'aime, comment? Ah, tu sais pas qui je t'aime, mais comment elle voit pas ça? Tu l'es comment? De temps en temps, faut préparer pour la femme. Ah, il est prophète de quoi? Je suis prophète, ça, c'est à l'église. À la maison, je suis marié. Amen. Amen. Je lui dis, tu veux marier ta vie, soit grain. Dis, ah, nous, la soit grain, là. Ok, je suis allé faire soit grain. Amen. Faut qu'elle mange soit grain. Elle me regarde. Je dis, je te fais la soit grain. Bien même. Et puis, je t'apprends comment faire soit grain. Les deux sept est super m'aider. Hein? Ma fille. Ah, vous devez les laisser. Laissez cet esprit. Vous pouvez être la prophétie, cet esprit vient seulement. Il dit nous aidera dans tout. Même la sauce met cet esprit dedans. Elle m'a dit. Il y a aubergine dans la fête de soeur, mais il faut regarder. C'est la fête qui compte. C'est quand ça va cuire
tu vas voir si c'est bon, c'est pas bon. Faut regarder, il ne faut pas parler. Elle est belle, la soeur grecque. Elle m'a dit choupé. Amen. J'ai dit, si j'ai pris un mission au berger, elle dit non. J'ai dit, pour chasser vos odeurs là, parce que nous maman, elle est prise dans morte. Ah ah, donc c'est le coup de cuisine. Si cet esprit ne va pas demander, il va comment. Moi, il travaille aussi. Ouais. J'ai fait sauce arachide à aller manger. Si tu es une femme, tu as quelqu'un qui dit t'aime, qui ne te le prouve pas, il faut douter de son amour. On dit Dieu a aimé le mot qu'il a donné. Dans l'amour, il y a quelque chose, tout ce qu'on pose comme un acte, qui touche celui qu'on aime. Si vous aimez Dieu, vous devez le prouver. Dans les lieux de culte, dans la manière de faire, ça c'est très important. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et encore Dieu vous bénisse. Amen. Dis à quelqu'un, tu es béni. Ah, aujourd'hui, ça serait quand sera terrible, hein, parce que l'onction est terrible. Amen. 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 Non, il y aura une question. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons maintenant écouter la famille Caleb. Nous avons quatre familles, par la grâce de Dieu, pour créer une motivation au niveau de l'Église et pour permettre, n'est-ce pas, le suivi de nos fidèles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et ils sont aussi sur les plateformes de WhatsApp. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, qui sont dans les familles, qui aimeraient bien être sur les plateformes de WhatsApp, parce que c'est important, pour avoir les messages matin. J'ai des messages, je les balance, des enseignements que je balance de temps en temps sur le WhatsApp. Essayez de vous inscrire, de vous mettre dans une famille. Ça, c'est beaucoup très important. Amen. Amen. Et encore, soyez, n'est-ce pas, il faut respecter l'heure. Il faut s'investir dans les groupes. Il faut s'y mettre corps et âme. Voilà, ne venez pas pour simplement pour que le prophète prie. C'est vrai, on va prier pour vous. Mais tout ce que le Seigneur veut de vous, que vous soyez des véritables chrétiens. Amen. Alors nous avons instauré des moments d'enseignement pour vous permettre de toucher la Bible. Pour nous, notre boussole, c'est la parole de Dieu. Sans la Bible, nous ne sommes rien. On ne peut pas se baser sur un miracle pour vous gagner. On ne peut pas aller sur la base d'un miracle pour mettre la base de révéler les sorcières, la sorcellerie et tout ça. Non. Pour nous, c'est de vous amener dans les véritables choses de Dieu, donc la parole de Dieu. En tant que père spirituel et leader, c'est de vous conduire dans cette parole. D'amener à la parole de Dieu. Donc, on a commencé à instaurer des enseignements et surtout les évangiles qui nous amènent à connaître l'histoire de la chrétienté. Le ministère de Jésus. Tu suis quelqu'un, il faut le connaître pour savoir qui il est. Il est né où? Qu'est-ce qu'il a fait dans Jésus? Nous avons déjà vu la famille Israël, n'est-ce pas? Oui. Que Dieu bénisse la famille Israël. Et nous avons nous avons partagé le livre de Matthieu. Nous avons vu aussi Jésus, Marc. Nous allons voir des notes tout à l'heure. Nous allons donner des notes tout ceci rapidement. On va vous donner déjà ce que vous avez construit d'ici à la fin. D'ailleurs, j'annonce que nous avons une réunion ce samedi à 18h30 avec les femmes et tous les responsables. N'est-ce pas? Pour bien expliquer les choses, parce qu'on a aussi besoin de les faire, beaucoup de choses, on a besoin d'expliquer beaucoup de choses. Donc, ce samedi-là à 18h30. Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. La semaine qui vient, c'est Abraham. Et j'ai toujours des problèmes avec cette histoire d'Abraham. Donc vous êtes prêts, c'est vous qui devez répondre aux gens. Les gens disent le prophète, il allait. Ça, c'est pas Abraham qui a fait ça aujourd'hui. Hein? Pourquoi le prophète? Toi-même, tu as crié tout le monde. Il y a deux pasteurs. On voit M. Balou comme un révérend. Je lui ai dit, mais il n'a jamais fait école théologique. Bon, Anani quitte dans leur groupe. Bon, Anani, au moins, lui, il est pasteur. Il a dit qu'à la nouvelle licence, je confirme ça. Il a une nouvelle licence, il est en train de valider sa licence en théologie, tout ça. Donc, je dis, bon, il faut quitter. Viens, comme tu es pasteur, tu vas être juré. Mais Balou, il n'est pas révérend. S'il vous plaît. Non, la dernière fois, ce qu'il a fait, bah, il a cherché comme tout le monde. Afin de parler, là, c'est d'où Biak a commencé. On acclame notre frère Goumbia. Dieu. Je vous informe que c'est un musulman qui vient de se convertir dans le christianisme. Ça n'est pas trois mois,
qu'il a commencé à toucher la Bible. Ça ne remet pas toi, moi, qui touche à la parole de Dieu. C'est lui qui a commencé. Les gars, vous ont regardé. Elle a commencé. C'est parti comme ça. Et maintenant, comme les choses commencent à être plus sérieuses, la meilleure famille sera récompensée en fin d'année. Et nous sommes en train de voir pour améliorer les choses. Parce que c'est important. On a commencé à voir que les gens commencent à s'intéresser à certaines choses, tout ça. Donc aujourd'hui, nous allons vous donner les notes rapidement. Allons-y bien. On peut acclamer monsieur le jury. Il est trop dur. Mais aujourd'hui, j'ai vu que il était quand même. Parce qu'on faisait, on notait ensemble. Il dit non, non. J'ai dit pas, Nani. C'est comme ça, tu. Non, il était vraiment doux. Parce que moi, j'étais plus sévère que lui en matière de notes. On a vu Israël. D'ailleurs, il faut dire que c'est justement à partir de Jésus qu'on a commencé à mettre certaines choses dans la notification. Déjà, Israël, il y a certains points, mais on a ensemble, nous. Parce que quand on finit le culte, on essaie de regarder après le culte. C'est ça, en fait, notre force. On essaie de regarder le culte, on revoit les choses, et c'est en fonction de soi qu'on essaie de noter les gens. Israël. Voilà. Voilà. Israël. On a parlé de l'heure, des barrages de l'heure. On a trouvé que Israël a. C'était ça, comptait si bien. Oui, et Israël, des malades de l'air, il a eu les 20 sur 20. Voilà. Bon, oui. Présentation des membres, parce que c'est important, les membres de votre famille, vous devez tout faire pour que les membres soient occultes. Ici, on n'avait pas vu tous les membres, donc on a mis pratiquement la moyenne 20 sur 40, ça compte sur 40. Oui, 20 sur 40. 20 sur 40. Oui. Et présentation des invités. Ouais, vous n'avez pas invité ce jour-là seulement. Donc vous avez eu 10 sur 30. Sur 30, un tiers. Ouais. C'est là où je disais à papa, non, non. Il a dit non, tu es tout. il faut les encourager un peu. Voilà. L'exposé. Israël, ils ont eu 25 sur 30. Wow. L'exposé. Vous avez 25 sur 30. Sur 30, oui. On a tenu un peu compte de la voile, mais elle a bien positionné sa chose. Mais c'était le voile est déchiré, mais on l'a vu, c'était bon. Franchement bien. Et nous trois qui étaient les jurés, on a réfléchi, on a dit, bon, ça mérite ça. Voici le point là. Je ne peux pas lui donner 25 parce que, mais elle prend, mais le 25. Même 28, c'était bon. Mais on a laissé ça, mais c'est bon. Voilà, que Dieu bénisse. Oui. Pour la décoration, Israël, 20 sur 20. Et la décoration, Israël a eu 20 sur 20. Les questions-réponses. Questions-réponses. Ah, vous êtes un peu pénalisé, hein. 5 sur 20. Les questions surprises. Ça, à votre qui n'aimait pas. L'innovation. L'innovation, ils ont bien innové. Ils ont eu 30 sur 30. 30 sur 30. Vous savez ce qu'on appelle innovation? Hein? Quelque chose qui sort de l'ordinaire. Voilà, ils ont innové. Vous avez dit, mais c'est quoi ça? Quand ceux qui présentaient faisaient l'exposé, va nous prendre et dit, bon, les questions sur la béatitude, n'est-ce pas? Où elle a commencé à lire, hein, heureux, tant, 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 elle vous a partagé les feuilles, n'est-ce pas? Et ça, ça nous a marqué. Est-ce qu'on peut acclamer Israël pour ça? Ça nous a marqué. Et pour ça, ils ont eu 30 sur 30, c'est quoi? Total de points d'Israël, c'est 130. Sur 240. 240, mais il y a deux parties. Il y a d'abord la chorale. Il y a 50 qui n'ont pas été comptées. Il y a les 50 qu'on n'a pas comptées parce que on ne tient pas compte de ça. Voilà. On ne tient pas compte de ça, les 50. Donc ça fait 130 sur 190. Voilà. Donc, si on enlève, 130 sur 190. Voilà. OK. Heureusement.
Sylvain est en train de préparer. Josué. Josué. Bon. Josué. Et aide de démarrage, 20 sur 20. Voilà. Présentation de tous les membres, 15 sur 40. Et présentation des invités, 15 sur 30. Oui, vous allez à cet invité. Oui. Et exposé, c'est là où papa et moi, on s'est battu un peu. Moi, je voulais leur donner la moyenne, mais papa dit non, non, non. 10 sur 30. Décoration, 8 sur 20. Question la décoration, réponse. Vous n'avez rien fait. On a eu l'impression que vous avez reconduit les choses, vous avez banalisé les choses. On a senti ça. Question réponse, 5 sur 20. Parce qu'ils ont répondu à une seule question. Question surprise, ça y en a pas. On n'a pas eu. À votre niveau. Voilà. Innovation. Ah, là, ne soyez pas déçus. On vous encourage quand même, mais ce n'est pas la note qui compte. Vous avez 2 sur 30. Vous ne tenez pas. Hein? Mais moi, je vous ai donné un 0. Oui. On dit, ce n'est pas une note. Papa a donné 0. J'ai dit, ah non, papa, s'il te plaît. C'est là où il a dit, bon, donne 2. Oui, mais analyse. C'est aussi tant comme ça. Voilà, donc il y a d'abord la chorale, donc on la peut prendre compte. Oui, là, voilà. Question surprise. Bon, c'est fini. Maintenant, total des points de Josué, 75 sur 190. Amen. Amen. Je tenais à dire, Jésus est là. Voilà, donc quels sont ceux que la dernière fois vous a donné, on vous a confié les armes, est-ce qu'elles sont présentes ces personnes? Est-ce que vous avez la peine d'inviter, de réinviter ces personnes aujourd'hui? Est-ce que vous avez invité ces personnes aujourd'hui? Oui, on veut réinviter tout le monde. Non, non, non. Quels sont ceux qui étaient là pour la première fois, la dernière fois, avec la famille Jésus? Et qui sont révélés aujourd'hui, levez-vous. On va vous connaître. Levez-vous. La famille Jésus est là, toute la famille Jésus. Bon, ok. Je vais pas mettre ça, ça compte. Veuillez vous asseoir, que Dieu bénisse. Amen. Ne jouez pas avec les choses de Dieu. Non, 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 ne jouez pas avec ça. Voilà. Israël, est-ce qu'Israël a invité les gens aujourd'hui? Quels sont ceux qui font partie de la famille Israël? Vous avez des invités? D'accord. Quels sont ceux qui sont là pour la première fois? Hein? Toute première fois. On peut acclamer le Seigneur et encourager. Non, ne vous asseyez pas pour le moment. C'est pour votre première fois le culte, c'est ça? Vous faites le culte la première fois. Que Dieu bénisse. Vous êtes à l'église pour l'histoire authentique internationale de Paris. Soyez bénis. Une église évangélique. Amen. Et après le culte, après la prière, on aura l'occasion de vous recevoir, échanger avec vous. C'est vrai que d'autres viennent peut-être bien de loin, mais vous allez intégrer une famille, parce qu'au-delà de la prière, on aimerait aussi vous apporter notre soutien spirituel, vous aider de temps en temps. On a toujours besoin d'être spirituel. Ne vous laissez pas comme ça. On a toujours besoin des guides, on a toujours besoin des gens pour nous aider. Amen. C'est ce qu'on cherche à faire, vous suivre après le culte. Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Amen. Soyez bénis donc. Tout à l'heure, vous allez intégrer la famille. Allez, au lieu que ça soit, que Dieu vous bénisse. Amen.
Ça marque quand même. Amen. Amen. J'aime bien cet esprit d'innovation. Est-ce qu'on peut acclamer la famille Caleb? C'est super. Les choses sérieuses vont commencer. Vous êtes prêts? Je vous apprécie, vous êtes super habillés. Amen. C'est... Alléluia. Quelle est la couleur que je retiens? Rouge. La couleur qui nous frappe le plus, c'est le bleu. On avait dit une famille, voici donc, avec une couleur. Bon, vous avez deux couleurs là. Qu'est-ce que je retiens bleu? Parce que c'est ce qui ressort plus. Notre couleur, c'est rouge, normalement. Mais il y a le bleu. C'est le rouge, rouge, bleu. Normalement, le rouge. Voilà. Et le rouge, bleu. Le bleu pour que ça fasse, ça ressort. Que fasse ressortir. Voilà. Donc, vous voulez parler de quelle couleur? On laisse ça comme ça, la couleur, ou même vous parlez de bleu? Bleu, qui parle au nom de la famille? Marina. Ok. Le micro. Le micro. Merci. Frédéric, que Dieu te bénisse. Voilà, merci. La couleur, la définition de la couleur? Notre couleur, c'est la couleur rouge. On a juste mis du bleu pour faire ressortir cette couleur-là, mm-hmm. pour innover aussi. Et le rouge, c'est la c'est couleur, c'est le symbole de vie, en fait. Amen. C'est pour ça qu'on a choisi cette couleur-là. Le bleu, parce que si vous choisissez le bleu, expliquez-nous. Parce que le bleu, c'est ce bleu spécifique, c'est le bleu roi et c'est la couleur des rois de France, donc c'est un bleu royal. Donc c'est la sans doute la royauté. C'est pas mon canard. Mais non, c'est quand même. C'est royal. Hein. Mais c'est royal là-bas. Il faut apprendre à capter ton langage, la situation. Hein, hein? Donc, j'ai les reines et les rois. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah. Ça veut dire que vous avez des couronnes. On a eu ça pour notre canard, donc on a des. On vous a donné la couronne. On nous verra tout à l'heure avec. Envers les versets. Parce que si vous parlez beaucoup, il y a les versets qui vous attendent. On acclame le Seigneur pour la famille. Ok. Top jury, top jury. Nous allons commencer l'exposé. C'est le livre de Luc. Vous avez quelque chose à donner comme chant, non? Ok, la chorale, veuillez vous asseoir. Sinon, désormais, il y a une chorale. Il y a au moins un chant avant de démarrer toute chose. Bah, comme vous n'êtes pas préparé à ça, que Dieu bénisse. Je tenais d'abord, sans influencer le jury, et j'en ai parlé déjà, je tenais à dire d'abord chapeau. Chapeau de sorte que les gens ont travaillé. J'ai vu un peu leur recherche. J'ai vu que les gens, quand même, sont allés très loin dans leur recherche, très loin. Amen. Voilà.
excusez-moi si j'en parle maintenant, mais je vais voir si effectivement ça correspond à ce que j'ai comme information. Parce qu'il y a une sœur, j'aurai l'occasion, tout, qui m'a balancé une information de taille sur la vie de Luc. J'ai dit, mais attends. J'ai dit, mais attends, c'est fort, hein, ça. C'est fort, ça, c'est des connaissances, c'est théologique, c'est des, ils sont allés très loin. Amen. Ok, on va essayer de vérifier si ça correspond avec tout ce que j'ai eu. Parce qu'en même temps, ils ont travaillé aussi en collaboration avec nous. N'est-ce pas? Avec nous, il faut donner des idées, on a toujours besoin. N'ayez pas peur de commettre des erreurs. Je n'ai pas dit l'erreur normale, mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'oser, n'ayez pas peur. Hein? Voilà, on apprend toujours. Voilà. Nous sommes en train de vous enlever d'un point et vous amener à l'autre point, dans la grande connaissance des choses de Dieu. Parce que la Bible que vous avez ici, ce n'est pas un décor. Ça ne doit pas rester comme oreiller. Ou bien dans la bibliothèque. Ou bien te demander, où est Jésus? Tu as dit, mais c'est quel numéro? C'est quelle page? Non, ce n'est pas une question de page. On dit le livre de Jésus. Amen. Amen. Voilà donc un exposé. Je vous dis déjà, nous avons déjà 30 minutes. Qu'on fait top, c'est 30 minutes. 25 minutes. Amen. Pour vous. En moins de 25 minutes, vous prenez déjà vos points. Amen. Donc, monsieur, viens rapidement. En moins de 25 minutes, vous prenez déjà vos points. Si vous avez moins de 25 minutes d'exposé, vous avez les 30 points. Nous avons quelques minutes aussi pour les questions. D'abord, regarde la foule. Tu vas te présenter au nom de la famille de Josué et tu fais ton exposé. Oui, top. Bonsoir. Alors, moi, c'est Barina Oui. Je suis de la famille Caleb. Et aujourd'hui, on va parler du livre de Luc. D'abord, l'évangile, le mot évangile signifie la bonne nouvelle. L'évangile, en fait, c'est un récit qui raconte la vie et les enseignements de Jésus-Christ. L'évangile se trouve dans le livre du Nouveau Testament. Et nous allons voir l'évangile de Luc qui se trouve en troisième position après l'évangile de Matthieu et l'évangile de Marc. L'évangile de Luc se compose de 24 chapitres. Et en termes de pages, c'est l'évangile le plus long de parmi les quatre évangiles. D'abord, nous allons voir brièvement qui est Luc. La Bible nous dit sur Luc que c'est un historien, médecin, mais c'est surtout le compagnon de Paul de Tarse qui est l'apôtre de Jésus. En fin de compte, Luc se positionne en tant qu'historien ayant mené son enquête pour nous parler de la vie de Jésus-Christ. Et c'est à travers un écrit qui s'adresse à un certain Théophile que Luc nous parle du coup de Jésus-Christ et de sa vie. Ce qui est intéressant avec l'évangile de Luc que nous allons voir, c'est que c'est le seul évangile qui parle de Jésus-Christ dès sa naissance et de son enfance, comparé aux autres évangiles qui parlent de Jésus-Christ dès l'âge adulte. Moi, pour vous présenter cet évangile, je l'ai partagé en quatre grandes parties, importantes selon moi. La première partie va du chapitre 1 au chapitre 4, verset 13, et c'est la naissance et l'enfance de Jésus-Christ. Luc commence son récit en parlant de la naissance de Jean-Baptiste, dans un premier temps, en annonçant sa naissance, parce que selon Luc, la vie de Jésus-Christ commence par celui qui le précède, donc Jean-Baptiste. Puis, dans un deuxième temps, Luc annonce la naissance de Jésus-Christ. Donc, on parle de Jésus-Christ pour la première fois dans l'évangile de Luc, lors de l'annonce de sa naissance, dans le chapitre 1, verset 31, quand l'ange Gabriel annonce à Marie, « Voici, tu concevras et tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. » On peut constater que Luc a pris soin de détailler les deux naissances et les deux la naissance et l'enfance de Jésus-Christ, tout en le mettant bien en parallèle avec celle de Jean-Baptiste, jusqu'à ce que chacun rentre dans son ministère respectif. Et c'est une particularité qu'a cet évangile-là. Dans les points importants sur cette grande partie-là, nous avons l'annonce de la naissance des deux, comme nous avons vu, mais nous avons aussi par la suite les prophéties faites sur le Jésus-Christ, des prophéties importantes, car d'entrée de jeu, à travers les prophéties, on annonce le caractère divin de Jésus-Christ et sa mission qu'il aura à faire sur terre. Donc les prophéties commencent avec l'ange Gabriel, dans le chapitre 1, versets 30 à 33. Puis, ces prophéties sont appuyées, confirmées par Simeon et Anna, qui sont, on va dire, deux vieillards
fidèles au temple et qui ont prophétisé sur la vie de Jésus-Christ lors de sa présentation au temple. Après les prophéties sur la vie de Jésus-Christ, Luc nous parle de l'enfance de Jésus-Christ de manière détaillée, puisqu'il nous raconte que Jésus-Christ s'est retrouvé à 12 ans dans le temple, à l'insu de ses parents, en train de parler et d'écouter avec les docteurs de la loi. Et ce que Luc fait ressortir à travers ce passage, c'est la sagesse et l'intelligence que Jésus-Christ avait dès son plus jeune âge, puisque dans le chapitre, dans le chapitre 2, verset 33, n'est-ce pas ? Luc met en avant, il dit, la Bible dit que tous ceux qui l'entendaient étaient frappés par son intelligence et par ses réponses. Donc ça montre l'intelligence que Jésus-Christ avait dès 12 ans. Il fait aussi ressortir à travers cette histoire l'obéissance et la soumission qu'avait Jésus-Christ envers ses parents. Malgré le caractère divin qu'il avait qui était annoncé, la Bible nous dit que Jésus-Christ était soumis dans le chapitre 2, verset 52, et il leur était soumis. Donc on parle de l'obéissance qu'avait Jésus-Christ à travers ses parents. C'est un point important. Ensuite vient le baptême de Jésus-Christ dans le chapitre 3, versets 21 à 22, qui est un point important dans la vie de Jésus-Christ, puisqu'il reçoit le baptême du Saint-Esprit. La Bible nous dit qu'il reçoit le Saint-Esprit sous forme corporelle d'une colombe, et c'est après ça qu'il va entrer dans son ministère. Bon, après il est tenté, comme on sait, 40 jours dans le désert par le diable, mais c'est après ça qu'il va entrer dans son ministère. C'est donc la deuxième grande partie, qui est le ministère de Jésus-Christ en Galilée, qui va du chapitre 4, verset 14, au chapitre 9, verset 50. Cette partie donc parle du démarrage de Jésus-Christ dans son ministère en Galilée, et j'ai fait ressortir un point important. Le premier miracle qu'a fait Jésus-Christ, dès qu'il entre dans son ministère, la première chose qu'il a fait, c'est la délivrance d'un démoniaque à Capernaum. En plus d'avoir fait des résurrections et des guérisons, comme on l'a déjà vu, ce qui est important dans cette partie-là, c'est que Jésus sélectionne ses 12 apôtres. Donc, et c'est là qu'il énumère et sélectionne les 12 apôtres qui vont le suivre tout au long de sa vie par la suite, tout au long de son parcours. Et ça se trouve dans le chapitre 6, versets 13 à 16, la sélection des 12 apôtres avec leur nom, qui s'affiche là. Ensuite vient la troisième partie, qui est une partie importante pour l'évangile de Luc, parce que c'est ce qui fait la différence avec les autres évangiles. C'est une partie qui parle de la traversée de Jésus-Christ de la Galilée jusqu'à son retour à Jérusalem. Et à travers ce voyage, Luc consacre plus de 10 chapitres pour détailler les œuvres et les exploits que Jésus-Christ a fait pendant toute sa traversée. Il met l'accent sur ça et apporte beaucoup plus de détails que dans les autres évangiles, d'où les 10 chapitres et plus encore, puisque ça va du chapitre 9, verset 51, au chapitre 21, verset 38. Ce que je vais faire sortir sur cette grande partie, c'est la mission des 70 disciples. C'est une partie importante pour moi. Pourquoi ? Parce que c'est à travers cette partie-là que Jésus-Christ donne le pouvoir à ses disciples quand il dit dans le chapitre 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné la puissance de marcher sur les serpents et sur leurs scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Et c'est une grande partie, parce que c'est là où Jésus-Christ nous donne donc le pouvoir. Et cette histoire raconte qu'il a envoyé 70 disciples au-devant de lui, dans les villages des pays, et il revenait content de voir que les démons lui ont été soumis au nom de Jésus-Christ. Et là, Jésus-Christ confirme qu'il a donné le pouvoir à nous, ses disciples, donc de marcher sur le scorpion, verser, comme j'ai dit. Et après ça, ce qui est important, c'est que Jésus-Christ, Luc met l'accent vraiment sur l'enseignement. Donc dans le ministère de Jésus-Christ à Galilée, il a fait beaucoup de guérisons, de résurrections, mais là, dans cette partie, on met beaucoup l'accent sur l'enseignement à travers des paraboles. Donc dans cette partie, il y a énormément de paraboles qui nous enseignent beaucoup de choses, que ce soit sur la foi, les scandales, la compassion, comme on voyait là, la prière, persévérance.
votre hypocrisie sur la vie au quotidien. Jésus-Christ nous enseigne en fait, et à travers des paraboles. Et j'ai mis là un exemple d'une parabole qui est connue, qui est celle de l'enfant prodigue, que je pense qu'on connaît tous, qui est dans Luc 15, verset 24. Il faut savoir aussi que cette partie-là, elle est tellement explicite, elle est tellement fournie, que la plupart des films se plongent dans l'évangile de Luc pour monter leur film comme La Passion du Christ ou Aigle, parce que c'est tellement détaillé qu'on se plonge dans l'évangile de Luc si on veut parler de la vie des œuvres de Jésus-Christ. Vient ensuite la quatrième partie qui va du chapitre 22 au chapitre 24, verset 50, qui parle de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Pour cette grande partie-là, Luc puise, on revoit les mêmes choses qu'il y a dans l'évangile de Marc, à la différence que, encore une fois, Luc, qui est pointilleux, détaille deux choses importantes dans cette partie-là que j'ai relevée, qui est le dialogue de Jésus-Christ lorsqu'il était crucifié à la croix. Il nous raconte que Jésus-Christ a été crucifié avec deux malfaiteurs, un à sa droite, un à sa gauche, et il prend soin de nous parler du discours qu'avait Jésus-Christ pendant qu'il était crucifié avec ses deux malfaiteurs, où il montre que même à la croix crucifié, il pardonne un malfaiteur et lui promet le paradis avec lui. Et deuxième point important aussi qui est spécifique à l'évangile de Luc, qu'on ne retrouve que dans son évangile, c'est les disciples d'Emmaüs. Alors, les disciples d'Emmaüs, c'est dans le chapitre 24, verset 25. Pour faire bref, c'est l'histoire en fait de Jésus-Christ, une fois qu'il a ressuscité, apparaît à deux disciples qui se dirigeaient vers le village d'Emmaüs, mais ces deux disciples ne l'ont pas reconnu. Et Jésus-Christ, ayant traversé, fait le chemin avec eux jusqu'à partager un repas avec eux, leur parlait de toutes les prophéties qui ont été annoncées en amont sur la vie de Jésus-Christ par les grands prophètes de l'Ancien Testament, pour enfin, au final, leur ouvrir les yeux, pour qu'ils voient qu'à la fin, c'est Jésus-Christ qui avait bel et bien ressuscité. Et voilà, c'est les deux points qui ressortent, qui font la différence avec les autres évangiles. Ce que nous pouvons conclure de l'évangile de Luc, c'est que j'ai trouvé dans cet évangile que Luc, il est le seul aussi à mettre l'accent sur le caractère humain de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il nous parle de Jésus-Christ, malgré son caractère divin, il met en avant que c'est un homme qui vit parmi les hommes, en nous parlant de sa sagesse, de son intelligence, de sa soumission. Il nous parle aussi de comment Jésus-Christ grandissait devant les hommes, puisque dans le chapitre 2, verset 22, il nous dit « Quant à Jésus-Christ, il croissait en sagesse, en stature, et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Donc ça nous montre bien sa croissance et son évolution en tant qu'homme devant les hommes. Et du coup, à la fin, comme je vous ai dit que cet évangile, c'est celui dont les grands cinéastes, ceux qui font les scénarios, les stars se cinéastes, voilà, merci, pour faire leur film. À la fin, nous avons mis une petite vidéo très très courte, d'une minute, même pas, qui reprend la passion du Christ qui a été puisée, ces informations, dans l'évangile de Luc. Voilà. Comment il a partagé le repas avec ses apôtres,
qui l'ont trahi, dont Judas l'a trahi à la fin. Ça reprend très brièvement, en fait, voilà, la montée à la croix de Jésus-Christ. On va juste poser des questions. Exposer jusqu'à 14 points, ça dit 14 minutes. C'est déjà bon, on acclame le Seigneur. Que Dieu bénisse. Il y a un élément qu'elle n'a pas pu faire ressortir sur Luc. On voulait savoir qui est réellement Luc. Il sort d'où? Il sort d'où pour nous écrire la vie de Jésus. C'est un élément qui était vraiment très important. Non, s'il te plaît, merci. Merci, merci, merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci. Parce que ça nous a parlé de Luc. Mais il sort d'où? Est-ce que Luc était réellement disciple, il faisait partie de 12 disciples. Non, laissez-la répondre. Sinon, je vais vous poser la question. Hein. Je vais la main dans quelques minutes, vous allez me voir tout de suite. Vous êtes censé, vous avez 5 personnes, parmi les 5 personnes, chacun doit me reprendre 5 versets qu'il connaît du livre de Luc. Ça, on a affaire à vous tout à l'heure. Ok? Donc, restez tranquille, on aura affaire à vous tout à l'heure. Voilà. Et ça vous fait perdre beaucoup de points. Qui est Luc en réalité? Luc, pour reprendre, ce n'était pas le disciple de Jésus-Christ. Luc, il est le compagnon de Paul de Tarse. Il est arrivé après. La Bible nous dit, dans Colossiens, bon, j'ai plus en tête exactement le verset. Bon, il faut qu'elle mette... Non. On acclame pour l'encourager. Amen. Justement, tu es censé avoir ça dans la tête. Colossiens, on acclame le Seigneur. Mais il y a des révérends ici, hein? Non, je t'ai dit non. Oui, je t'ai dit. On me dit aussi de Luc dans la Bible, dans Philémon. Chapitre 9, verset 24. Non, mais dis pas un livre. Quand tu dis un livre, tu précises le chapitre. Chapitre 9, verset 24. Et qui voit Philémon? Qui dit qu'ils ont cité Luc comme le compagnon d'œuvre de Paul. À travers les lettres, on dit mes compagnons d'œuvre et on cite Luc, Marc. Non, effectivement, Luc est le compagnon de Paul. Ah. Non, c'est pas un. Hein, il faut enseigner son peuple. Parce que lui, en réalité, on ne le voit pas parmi les 12 disciples. On va t'enlever quelques points parce que... Non, laissez-moi expliquer. Quand tu dis, voici les disciples, voici ce qui est écrit là, non, tu dois nous dire, pendant qu'on fait passer les noms, toi, tu es censé de nous donner le nom des 12 disciples. Ok, on peut l'attraper. Donc, comme les 12 disciples, comme le nom des 12 disciples, Jésus avait 12 disciples. Nous avons besoin des noms de 12 disciples. Simon Pierre, bon Pierre, parce qu'il a renommé Pierre s'appelait Simon, il a renommé Simon. Donc okay. C'est pour ça qu'on dit Simon Pierre. Il y a un autre Simon, Jean, Jacques, Thomas, Judas, Barthélemy, Matthieu. Marc,
Non. Ok, vous pouvez l'aider. J'ai dit Jacques. Jacques, fils de Zébédé, voilà. Vous là-bas, vous n'êtes pas en train de bien faire. Laissez-la nous montrer des choses. Qu'elle est ici, c'est qu'elle est censée connaître. C'est ce que nous voulons réellement. Il faut qu'elle nous dort. Si elle ne peut pas, on va l'aider. Mais ce n'est pas à vous de crier à côté, ça crée un peu de désordre, s'il vous plaît. Jacques et Jean. Reprends, parce que ça ne me convainc pas. Vous savez, quand vous parlez de Dieu, il faut que ça soit avec conviction. Parce qu'il faut rassurer les gens que vous maîtrisez la chose dont vous êtes en train de parler. Donc les choses de Dieu, ça veut beaucoup de convictions. Quand vous parlez, vous êtes convaincu que Jésus... Et si vous ne maîtrisez pas la vie de Jésus, qui est la base de la chrétienté, vous-même avez un problème avec votre marche avec Christ. Est-ce que vous m'avez bien senti? D'accord? Sinon, la base, c'est déjà bon. Déjà, avec 14 minutes, super, l'exposé. Dans les récits, super. Elle s'est rattrapée tout à l'heure en nous redonnant, parce qu'il faut savoir qui est réellement, effectivement, qu'on appelle Luc. Gloire à Dieu. Elle a fait ressortir des éléments qui nous prouvent et qui attestent, et ça, tout le monde le sait, qui est compagnon de. Bon, il était avec, il avait quel boulot, lui? Il était médecin, médecin bien aimé, il dit. Voilà, il était médecin. C'est-à-dire, c'est un homme très intellectuel. Voilà, et c'est déjà bien. Alors, les deux disciples. Ok. C'est Pierre Simon. Vous pouvez répondre à sa place? C'est possible. Hein? Vous pouvez répondre. Vous cachez ou pas? Ça va? Ça peut aller? Hé, tiens. Si tu es joué. Je n'ai pas dit que tu ne connais pas. Je n'ai pas dit que tu ne connais pas. Mais si tu es joué, elle fait des points. Non, je n'ai pas dit que tu ne connais pas. Hein? Parce que tu parles de là, on n'est pas en train de s'amuser. Elle a déjà, nous, tout ce qu'on a vu, qu'on vous fait briller. Pour voir si vous maîtrisez vos sujets. Sinon, dans l'ensemble, c'est bon. Maintenant, vous faites perdre des points. Nous sommes des jurys. Nous, quand on gagne les points, ils ne sont pas trop contents. Vous allez dire, ah non, mais pourquoi? Mais justement, il faut que vous parlez avec assurance que vous maîtrisez vos sujets. Vous comprenez? Donc, si toi, tu quittes là, vous venez, clin, clin, clin. Tu n'as pas fait le nom des doutes difficiles. On va le faire 30 sur des GMC. Ça va, qui peut l'aider, qui peut? C'est un médecin. C'est ma dernière chance, mais... Hein? Qui peut? C'est une question parmi le groupe. Non, ne vois pas, tant pis. Ne vois pas, ça compte. Ne vois pas, ça compte, tant pis. C'est... Hein? Qui peut répondre parmi vous? Vous parlez doucement, il est oublié. Il a oublié. Bon, vous n'avez pas oublié, donc les deux, vous allez parler. Ok, allons-y. Simon. Pierre, on a rappelé Simon, donc Simon, Simon-Pierre, Jean, Jacques, Barthélemy, Jude, Judas, André, Thomas, Philippe, j'ai dit Marc. Marc, Jacques. Ne les écoute pas. Ton seul problème, je te donne dernière chance. Ton seul problème, la dernière fois pour t'aider, on t'a bien dit que Jacques n'était pas décidé, Marc n'était pas décidé. D'accord? C'est pour t'aider, pour te montrer combien de fois je suis en train de t'aider. Amène Marc dans ta tête. Laisse-le à côté. Même s'il a écrit l'évangile de Marc, laisse le monsieur à côté. Il n'a rien à voir ce que tu es en train de faire. Quels sont les douze disciples de Jésus? Une dernière fois. Simon, Simon-Pierre, Barthélemy, Jude. Jude quoi? Tu peux dire Simon, Simon-Pierre? Non, parce qu'en fait, Pierre, on a fait Simon. Ok, donc, c'est Simon et Pierre.
Ok. Simon Pierre, Jacques, Jean, Barthélemy, Jude, Judas, Thomas, André, Philippe. Qui peut répondre? Merci. Et puis qui a la fin? Jean. Non, t'as pas dit Jean, t'as dit Jacques. T'as dit Jacques sans Jean. Non, il ne faut pas avoir peur. Non, parce que en fait, j'ai oublié ce que j'ai dit avant. Oui, mais moi, je note quand il dit tant. Moi, il y a effectivement Mathieu, et que tu n'as pas oublié, parce que je voulais que tu reviennes là-dessus. Il y avait Mathieu, il y avait Jean. Voilà, et j'attendais les gens d'image. Il faut maîtriser les disciples qui étaient avec Jésus. Ce n'est pas mauvais dans l'ensemble. La dernière. Bon, néanmoins, vous laissez les 30 points, c'est bon. On vous laisse les 30 points. Donnez le micro de l'autre côté. On a besoin des gens. Qu'est-ce que vous avez? C'est moi qui choisis la personne. Donc, tu peux attraper le micro, c'est déjà gentil. Vous vous cachez? Verset. On est les versets? Jusqu'à combien? Bien. Analyser les gens. Hein. C'est pour cela que tu ne parles pas. Et tu regardes, je peux pas être banalisé. Je ne te banalise pas, je te dis, mais il faut connaître. Quand on vient ici, 5 versets dans l'évangile de Luc. Ça va? Ok, on y va. Prends le micro. Le 13, le 31. Quel 13? La naissance de Jean-Baptiste. Non. Quel chapitre et quel verset? Luc 13, non, je ne veux pas ça. Faut pas, dans la tête de Dieu, il n'y a pas de tricherie. Laisse-le. C'est lui-même qui est venu de lui-même. Il ne faut pas l'influencer. Allons-y. Luc 1, chapitre 13, on y va. Mais c'est ce qu'il a dit. Ou bon, donne à une autre personne. Luc chapitre 1, c'est ça? Le verset 13 nous dit quoi? La naissance de Jean-Baptiste. Non, dit le verset, c'est quoi? Je n'ai pas dit de quoi on parle. Quel est le verset? Le verset dit quoi? Ne craint point Zacharia, car par ton Élisabeth, on portera un fils. Lui donnera le nom de Jean. C'est ça? Amen! C'est ça? Dans la clame. Ben, ici on est l'ange, je me dis, n'écris un point. Bon, on peut tolérer ça un peu. Vous savez, quand vous parlez des versets, ne les écorchez pas. Dites exactement le verset. Si vous commentez le verset, d'accord. Mais si vous dites verset top, dites exactement. Parce qu'avec Dieu, on ne rétranche pas et on n'ajoute pas. Ok, allons-y le deuxième verset. Luc 1, chapitre 31. Ah, tu es dans Luc 1 toujours. Bon, ça dépend. 31, c'est ça? Oui. Mm-hmm. Voici, tu seras enceinte. L'ange Gabriel parle à Marie. Voici, tu seras enceinte. Tu enfanteras un fils et tu donneras le nom de Jésus. C'est pas mal. C'est ça. Sinon, on dit, ça dépend de ta version. Ici, on dit, voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Ok, très bien. C'est un bébé. Donc, j'ai foncé dans la foule tout à l'heure. Après le bébé.
pour les grands, on va voir si on est capable. Si un bébé, si il a récité les versets. Allons-y, petit. Deuxième. Troisième, hein. Luc 3, 16. On avance quand même, c'est bon. J'ai quitté dans 1 quand même. Luc 3, le verset 16. Très bien. C'est l'annonciation de la venue de Jésus. Non, qu'est-ce que le verset dit? Jean dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient vous baptisera du Saint-Esprit, et je ne suis pas digne de l'eau étirée, ses sandales, de l'avoir de ses sandales. Oui, c'est pas mal, mais tu n'as pas tout dit. Il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient que celui qui est plus puissant que moi, et vous n'êtes pas digne. Bon, il n'a pas tout dit le verset, mais c'est pas mal. On y va avec le 4 verset. Tu as déjeuné ce matin? Allez manger, ricoucher, tu allais voir petit. Tu as fait quoi des croissants ou ta boule de chocolat chaud? Ah, faut manger gamba comme le premier au village. Chocolat chaud. C'est parce qu'elle a mangé pas, ça l'est. Ok. Le cinquième? C'est ça? Non, il a déjà fait le quatrième. Non? Ok, allons-y, quatrième. Luc 3:23. Le ministère de Jésus. Luc 3, chapitre 23. Le verset dit quoi? Luc 3:23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. C'est ça? C'est ça. Le dernier verset. Aidez l'enfant, s'il vous plaît. Luc 4:33. Oui. La première délivrance de Jésus. Luc combien? 4:33. La première délivrance de Jésus. Oui. Il dit, il y a-t-il entre moi et toi? Non, petit. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur, s'écria d'une voix forte. Ok. Ça a marché. Mais l'encourage quand même. Beaucoup de bénédictions. Ouais, sois béni. Vas-y, c'est qui vient de dire là? Si je fonce quelque part tout de suite, c'est foin. Si vous voulez, j'essaie, je vais tester un peu. Ah, vous pouvez tester. Au moins deux versets, quelqu'un peut me donner deux versets de la Bible. Deux versets. Là-bas. Non, pas toi. Il y a Kappa qui est là, il y a Elé, il y a Sel, il y a Ni, il y a Vassila. Vous pouvez. C'est pas dans la Bible, il y a les versets que vous maîtrisez. Oui, de la Bible quand même. Deux versets. Kappa, deux versets de la Bible. Ok, venez ici. Une dernière personne.
En tant que prêteur, vous, les témoignages. Quels sont ceux qui vont faire des témoignages? J'ai des témoignages, venez rapidement vous mettre là. Ceux qui doivent témoigner, dépêchez-vous. Allons-y, les cinq versets. Donc, je vais commencer par le premier miracle de Jésus-Christ qui s'est passé en Luc 4, chapitre 33. Donc, c'était un homme qui était atteint, qui avait un démon et qui a dit à Jésus, « Qui a-t-il entre toi et moi, homme ?» Et Jésus a, Non, c'est pas comme ça, on récite un verset. Je prends l'exemple. Jean 3, le verset 7. « Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, qui est la vie éternelle. » Toi, tu commentes le verset. Tu expliques le verset. Donc, je vais prendre un autre verset, qui est Luc 5, chapitre 6, où il y a eu... Non, pas où il y a eu. Luc 5, quoi, verset quoi? Luc 5, 6. Luc 5, 6. De la barque avec Simon. Laisse les petits commentaires de quel miracle c'est quoi. Laisse tout ça. Dis-nous ce que ça veut dire. Le verset bon, qui est écrit. Luc 7, chapitre 23. Heureux celui qui ne tombe pas à cause de l'Éternel. C'est après ça? Luc 7, chapitre 13. L'enfant Luc combien était, Luc combien? Luc 7, chapitre 23. Heureux celui qui ne tombe Luc pas. Luc 7. Chapitre 23. Heureux celui qui ne tombe pas à cause de l'Éternel. Il ne tombera pas. Ok, on acclame le Seigneur, c'est ça? Je dis ici, on dit, ma version, heureux ou celui qui, lequel je ne suis pas une occasion de chute, ça c'est ma version, lui second. Ça va dépendre aussi de ta version, sinon c'est la même chose. Luc 7, chapitre 7, le centenier dit, Luc 7, mon esclave est malade. Luc 7? Luc 7, chapitre 7. Luc 7, verset 7 plutôt. Dis seulement un mot et il sera guéri. Jésus reprend. Luc 7, chapitre 7. Mmh. Un centenier mmh. alla chercher Jésus et demanda à ses collaborateurs d'aller chercher Jésus. Et il dit, je ne me suis pas permis moi-même de venir te chercher parce que je ne suis pas digne de toi. Non, mais dis seulement pas un mot. Manière de donner un verset. Qu'est-ce qui est écrit dans Luc 7, 7? Bon, je vais prendre Luc 7. C'est aussi pour cela que je ne suis pas plus digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. C'est ce qui est écrit que tu dois dire. Qui va sauver la famille? Ok, chapitre 1, verset 33. L'ange répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Luc combien? Luc, chapitre 1, verset 33. D'accord. L'ange répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Tout-Puissant te couvrira de son ombre. Voilà pourquoi l'enfant saint qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Luc chapitre 1, verset 33. Luc 1, mm. verset 33. Est-ce que c'est ça? Oui. Luc chapitre 1, verset 33? Oui. Je ne pense pas chez moi ici. Moi, c'est chez moi, c'est pas ça. On dit ici, il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. C'est comme ça chez vous aussi? Non. Il prend le trône de David, son père. Bon, on a fini avec les points. Est-ce qu'on peut acclamer les questions? Ce que je retiens de lui, la famille Caleb, l'exposé, super. Maintenant,
maintenant, moi-même, je vais réunir les Caleb. Laissez-moi réunir Caleb. Caleb, ça va un peu? Il y a des responsables terribles, comme des révérends et des révérends. Vous pouvez nous faire honneur? Est-ce que je te dis que tu as peur? J'ai trop foi en toi, monsieur. Je n'ai même pas l'option peur, n'a même pas été prononcée par moi. Ça peut aller? Nous avons vu un verset tout à l'heure qui nous a tous fait remuer ou acclamer le Seigneur. C'est un verset. Et celui qui ne retient pas ça, il paie les 30 points. Vous payez les 30 points. Non, laissez les 30 points. De, vous avez déjà gagné les 30 points. Je vais demander de m'amuser. Sinon, les 30 points, c'est déjà bouclé. Amen. Vous avez déjà gagné. Il n'y a pas quelque chose qui ne va vous faire payer les 30 points. Mais pour vous dire, si vous ne retenez pas ce verset, si vous avez gagné ce verset, vous avez gagné toutes les réponses. Quel est le verset, n'est-ce pas, dont tu as parlé tout à l'heure, et pour la mission des disciples? Quel est le verset sur lequel Dieu a donné la mission? Tu te tiens debout et tu nous donnes ce verset. Avec assurance, comme tu n'as pas peur. Acclamez le Seigneur pour le faire. Tiens. Prends le micro. Quelqu'un qui... Oh là là. Prenez le micro. Monsieur, c'est moi qui pose des questions. Ce n'est plus vous. Il dit, est-ce que lui-même peut donner un verset? S'il te plaît, donne-moi le micro. Donc on est prêt à soi. Tu vas connaître demain. Que Dieu te bénisse. C'est pas la peine de regarder le livre. Je suis débrouillé. Est-ce que je peux poser la question parmi vous trois? Lui qui a fui ou bien? Lui qui a fui? Lui qui a fui? Monsieur, je sais, hein? Vous posez la question? C'est le meilleur verset qui est sorti de lui, qui nous a fait du bien. Hein? Tu connais? 10 verset 19. Hein? Lucas! Mais que c'est, s'il vous plaît? Oh, laissez-moi! Luc! Où tu as parlé? Gaba! Je vais te... Allons-y. 10 verset 19. Oui, qui dit? Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Laissez finir le verset. Ah. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Et rien ne pourra nous nuire. Et si tout sort de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. On acclame le Seigneur. Très bien. Nous venons de boucler avec les questions. Super. L'enfant vient de faire l'honneur au... Ce verset-là, il va toujours revenir quand je serai en face de vous. C'est un puissant verset. Dans les moments de combat spirituel, rappelez ce verset à l'ennemi. Que sur la barre de ce verset, je m'adresse à toi. Jésus dit, il m'a donné le pouvoir en son nom de marcher sur les scorpions et les serpents. Et sur tout ton pouvoir, toi, et tu ne pourras pas me nuire. Luc 10, verset 19. C'est un verset, je dors, je me réveille avec ça. Que Dieu bénisse. Les petits, vous en savez. C'est comme un petit ami qui vient de terrasser Goliath.
Est-ce qu'on peut acclamer? On acclame le Seigneur plus fort. Plus fort, plus fort. La famille, Caleb, vous aurez vos notes. À la barre, vous avez déjà les 30 points pour l'exposer. Vous aurez tous vos notes le dimanche prochain. Sinon, super. Monsieur, pour mettre vos reproches, vous ne savez pas retenir des choses et c'est dangereux. C'est très dangereux. Vous avez fait l'exposé, mais qu'est-ce que vous avez retenu? La plupart. Voilà. On peut acclamer le Seigneur. À mon au lieu de les recevoir,
le bras. Je ne pouvais même pas lever le bras, ni descendre les escaliers, ni les monter, ni faire quoi que ce soit. Alors, le dimanche, mon mari me dit, mais je ne crois pas qu'on va aller à l'église. Je lui ai dit, non, moi je vais à l'église. Parce que toute la semaine, je n'ai fait que crier, dire à l'Éternel, non, je ne suis pas née pour souffrir ainsi. Non, j'en ai déjà trop souffert. Je suis tout le temps malade, je suis tombée malade pendant longtemps, mais il est temps, Seigneur, de me guérir. Parce que là, maintenant, non, 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 comment faire? Je ne peux pas. Alors, je suis arrivée dimanche, je me suis assise là. Je ne pouvais même pas danser, vous savez. La majorité, quand on met la musique, je suis toujours en train de danser, mais c'était impossible. Alors, quand papa est arrivé, il a compris. Quand papa est arrivé, il a commencé à délivrer. Moi, j'étais là derrière. Il fallait qu'on se lève. Mon mari m'a dit, ne te lève pas. J'ai dit, non, je vais me lever. Parce que j'avais passé tout le culte, j'étais assise. Je me lève. Je me suis levée. À peine, je me tenais debout. Et j'ai commencé à prier. Moi, quand je prie souvent là, je prie en patois. Je prie en patois tout le temps. Je disais, Seigneur, il est temps de m'enlever toutes ces souffrances là. J'en ai marre, je suis fatiguée de souffrir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et à un moment, j'avais les bras qui tremblaient. Puisque mes bras étaient levés, moi je ne lève pas les bras. Alors, j'avais les bras qui tremblaient et je me suis retrouvée, je n'étais plus là avec vous. Il y a eu une lumière là. Derrière, j'étais toute seule dans ma lumière et le vent a commencé à souffler. Le vent m'a emportée. Je ne sais pas où je me suis retrouvée. Après, je me suis retrouvée en train de pleurer en disant que ma délivrance, amen, amen, je l'ai reçue. Merci, merci Seigneur, merci Seigneur. Elle en est témoin parce que c'est elle m'a tenue. Je ne sais même pas parce que. Suzanne Doté, excusez-moi. Merci Seigneur, j'ai reçu ma délivrance, j'ai reçu ma délivrance, j'ai reçu ma délivrance, et voilà. Et depuis, je suis comme je marche. Ça va très bien. On t'a emballé à ma gole, on t'a emballé à ma gole. Je t'ai vraiment guéri. Parce que tu as bien dansé. Tu peux aller t'asseoir.
certes, moi aujourd'hui, déjà je tiens à rappeler que ça fait de bientôt presque plus de 3 ans, je crois, que je suis le prophète Joël Grasso. Et j'ai commencé à voir ma délivrance à travers ces vidéos. Parce que je suis tombée sur la vidéo et quand les sorciers passaient aux aveux, je me retrouvais dans tout ce qu'ils disaient, qu'ils faisaient aux gens en fait. C'est comme je dis, ah, ça veut dire c'est que je vis. C'est mystique alors, parce que j'ai un problème de stérilité depuis 2012, après que j'ai eu conçu et que bon, j'ai enlevé moi-même pour des raisons. Déjà, je demande pardon à Dieu pour ça. Et après, quand j'ai commencé à chercher, ça ne devient plus. Et j'avais un problème de couche de nuit. Mais moi, je trouvais ça normal parce qu'à l'école, on nous a toujours dit ce qui se passe dans le rêve, c'est ce qu'on pense en journée. Donc, je banalisais la chose. C'est à travers les aveux des sorciers que j'ai dit, hey, ce que je vis là, ça veut dire que c'est mystique alors. J'ai commencé à suivre le prophète Joël Grasso, ses vidéos. Et quand il a fait une vidéo, un jour, il parlait des prières stratégiques. 4 heures, j'ai commencé à prier et j'ai commencé à avoir des révélations. Ce qui fait qu'un jour, ma grand-mère, elle s'est levée, elle allait dire à ma mère elle-même que c'est moi qui ai bloqué l'accouchement de ta fille. Mais je ne l'ai pas fait seule. Moi, j'ai déjà laissé, mais les autres ne veulent pas laisser. Donc, c'est là où j'ai dit à ma mère, dans ce cas donc, parce que j'ai beaucoup fait les marabouts, hein, parce que vous savez, chez nous en Afrique, quand tu as souffert, on est obligé d'aller chercher à gauche, à droite, mais je n'arrivais pas à résoudre le problème en fait. Bon, quand le prophète a annoncé, c'était en 2016, qu'il devait faire une tournée, si j'ai dit Seigneur Dieu merci, il était à Lyon, je suis allée à la nuit de prière à Lyon. Je n'avais même pas où dormir. À Lyon, j'ai fait un aller-retour parce que je travaillais le lendemain. J'ai dit aujourd'hui, je vais partir. Bon, je suis arrivée, je n'ai pas pu voir le prophète, mais j'ai dit, comme je suis arrivée à Lyon, c'est déjà bon parce que j'ai tant prié Dieu de rencontrer cet homme de Dieu et je l'ai rencontré. Ça veut dire que je suis sur le bon chemin. Et je tiens à rappeler qu'à chaque fois que je le voyais en rêve, il était en train de prier pour moi. Je disais, Dieu, sûrement tu me dis, voilà l'homme de Dieu qui va te délivrer. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe dernièrement? Quand j'ai rencontré papa ici, bon, j'ai bu l'huile d'onction et tout. Imaginez, j'ai bu ici, après je suis rentrée à la maison, j'ai purgé toute la nuit jusqu'à 5 heures. Le dimanche, il m'a dit, la deuxième bouteille, tu vas faire ta prière comme d'habitude. À minuit, moi, je prie, j'ai prié, j'ai fait le bain spirituel. Quand à 4 heures, comme je prie aussi à 4 heures, j'ai fini de prier. Quand je dors, j'entre dans un songe où ma grande soeur pleure, elle me dit, je te demande pardon, c'est moi qui bloque ton accouchement. Ma grande soeur, même père, même mère. D'où, et c'était quelqu'un à qui je me confiais tellement, d'où je reviens à ce que, dont ma grand-mère, quand elle me disait, je ne suis pas seule à avoir fait, ça veut dire que c'était ma grande soeur celle qui manquait que je puisse démanteler. Parce que chaque fois que je rêvais, je me confiais. Et j'avais aussi un problème de perte blanche, ça je vais dire. Donc ici, les médecins, ils ont tout fait. J'ai fait tous les examens. J'avais un problème de perte blanche, je puais énormément. J'étais mal à l'aise. Les gens me voyaient, ils ne pouvaient pas savoir ce que je vivais. Je pouvais faire la colère même 10 fois par jour. L'odeur remontait, je n'arrivais pas à comprendre. Et c'est le jour où j'ai bu l'huile que j'ai payée ici, que papa m'a donnée. Quand j'ai purgé, la première chose qui me venait à l'idée, c'était de faire la toilette et me rassurer que cette odeur est partie. Et je vous assure, jusqu'à aujourd'hui, l'odeur n'est pas partie. Oh,
Il y a des Togolais ici. Il y a des Togolais. Quels sont ceux qui parlent Mina? La seule personne. Amen, madame Mao. Amen, madame Mao. Amen, madame Mao. Madame Mao. Madame Mao. Je mangeais et il y avait piquant qui m'a pris par la gorge. Donc, je ne pouvais même pas parler, je ne pouvais rien faire. Et j'ai marché doucement le dimanche passé sur venu. J'étais assise là-bas, je faisais comme s'il n'y avait rien. Et quand le culte est fini, je suis parti voir papa. Puis j'ai expliqué à papa. Il a prié pour moi. Quand je suis sorti, net, le piquant est sorti. Amen. Amen. Madame Mao. Amen. Madame Mao. Yeah.
Est-ce qu'elle voyage? Elle dit oui. J'ai dit si elle voyage. Elle dit oui, elle voyage aujourd'hui. Tu ne m'avais pas dit que tu voyageais. Mais j'ai vu que tu as voyagé et tu étais mort dans l'accident. Et donc, du coup, il a dit mais effectivement, elle voyage. Elle doit voyager. Et donc, je lui ai dit dis-lui d'annuler ce voyage. Parce que la sorcellerie, c'est l'idée qui s'est levée pour nuire à sa vie. Il y a maintenant, je te parle de ma vie. Peut-être que j'ai des choses qu'on va se dire, nous deux, toi et moi. Il faut mettre de l'ordre dans ta vie. Il y a trop de désordre dans ta vie spirituelle. Il y a certaines choses sur lesquelles je ne peux pas revenir parce que c'est ta vie privée. Et sinon, je ne vais même pas le dire maintenant, mais de toi à moi, mets de l'ordre. Il y a tellement de désordre dans ta vie et que le diable est en train d'agir. Et également, je vais parler aux frères. Je dis, j'aime ça très fort pour toi. Je suis prophète de l'Éternel. On est dans cette église et le Seigneur me demande de prier pour vous, de vous aider. Je vois que cette journée-là, je t'ai dit quelle heure? 11h30. J'ai dit 11h30. Pas. Et le frère me dit, il venait à peine de se réveiller quand il méditait sur un rêve. Il ne connaissait pas l'explication du rêve. Je lui ai dit, voici l'explication du rêve. Faites très attention, le diable s'est ligué contre vous. Amen. Amen. Il y a des choses qu'on peut être conjoint, c'est du sang privé, mais faites très attention. Amen. C'est vrai que tu as rendu le témoignage, mais il faut t'engager, mettre ta vie en règle vis-à-vis de Jésus. D'accord? C'était important que je te dise ça. Donc, c'est ce que papa vient de dire. Parce que quand je suis quitté au funérail, à mon retour, j'avais mal à la tête. Je ne savais pas quoi faire. Ça me faisait très mal. Et puis, je suis parti à la maison chez une nièce. C'est comme ça mon mari m'a appelé. Et puis, il m'a dit qu'il ne faut pas jouer. Il a dit, tout à l'heure, quand je venais, ma tête me faisait mal. Mon dresse, c'est vous même sorti même. Je ne comprends pas. Et quand il m'a expliqué, il a dit, papa dit, il ne faut pas que tu vas voyager. Si tu voyages, ce n'est pas bon pour toi. Aujourd'hui, je vais vous dire, ce n'est pas aujourd'hui, je suis papa. Parce que j'étais malade. Moi, je ne savais pas que j'étais malade. C'est papa qui m'a délivré ici. Les sorciers, en attendant, quand il me délivrait, les sorciers sont venus me découper. Il m'a bloqué. Il a prié pour ça. Ce n'est pas aujourd'hui, il me sauve la vie. Nous aurons un culte merveilleux. Tu as quelqu'un qui est merveilleux. Amen. Tu es merveilleux. À quelqu'un, Jésus est présent. Dis à quelqu'un, Jésus est présent. Jésus est présent. Ça va, tu es venu?
Même Jésus. Hein? Il y a beaucoup de Jésus. Excusez-moi une minute. Tu aimes beaucoup Jésus. Pourquoi tu aimes Jésus? Hein? Il est ton. Il est ton sauveur. Il est mon Dieu, il est mon sauveur. Il est mon roi, il est mon Seigneur, il est ma vie. D'accord. Mon papa, il est pour les femmes. D'accord. Ok. Je vois déjà, je sais d'où vient ton engouement. Au niveau de ta tête, c'est ça, les choses marchent, tout ça. Voilà. Maintenant, je. Ma confirmation que je reçois tout de suite. D'accord. Tu étais allé en vacances, c'est ça, ordinaire. Oui. 2014. D'accord. Laurent, c'est qui? Hein? Ta demi-sœur. C'est la première femme de ton père. C'est ça? La première femme de ton père. Ok. Ce qui se passe dans vous, ta tête, il y a des choses qui marchent dans ta tête. Ça se passe comment? Ça marche. Chaque fois ça marche, quand je, c'est comme s'il me déposait quelque chose en moi. Mm-hmm. Et quand je prie, je dis par exemple, je te maudis comme le figuier que j'ai déjà maudit. Mm-hmm. Et ça quitte là et ça part ailleurs. D'accord. Et, ça, mais tu peux pas, j'aime pas que tu fasses des histoires, d'accord? Non. Mm-hmm. Okay. Cette sœur. Elle a envoyé des salamandres mystiques contre toi. Et ce salamandre mystique-là, qui est rentré dans ta vie. Tu as déjà vu ça? Oui. Comment ça s'est passé? Tu veux m'expliquer? En fait, quand j'étais en vacances, c'était la nuit, parce que dans la journée, je suis chez ma mère. Et quand je suis rentré le soir dans mon appartement, je vois rentrer. J'ai dit, tu as vu les frappes, c'est la famille? Oui. Dans la maison. Voilà, et je cherchais à le tuer. Il a disparu, et j'ai dit, mais. La salamande a disparu? Oui. Oui. Et ensuite, quand je suis arrivé, un peu de temps après. Et tu as eu le mal? J'ai vu qu'il y avait beaucoup de louches, puisqu'il était mort devant la porte. Des louches. Donc ma voisine, c'est une blanche, et puis elle sort et dit « C'est quoi ces mouches de désert que tu as ?» J'ai dit « Toi, tu as déjà vu les mouches de désert ?» Il dit « Non, c'est pas des mouches ordinaires, hein. C'est pas les mouches qu'on trouve. » Mais chaque soir, chez toi, elle te suit. Voilà. Et puis il y a des moustiques qui rentrent. Maintenant, je te dis déjà qu'elle te suit. Non seulement ça, que ton sang, ils sont en train d'utiliser ton sang, n'est-ce pas? Ils adorent un serpent python. Et c'est à partir des salamandres qu'ils ont mis en toi. Cette sœur introduit en toi. Elle est son mari, bien sûr, avec en complicité avec son mari, qui est mystique. D'accord? Oui, elle est devenue marabout. D'accord? C'est au travers de ça que les gens nourrissent leur serpent mystique. Sauf ça que tu ne peux pas évoluer. Et pendant que je parle, j'ai l'impression de voir la salamandre autour de ton cou, de ta poitrine. Tu es en train de tourner. Ça va? Tu ressens la même chose? C'est comme si il est d'accord. Tu es en train de tourner. Maintenant, je vois ça en train de tourner, on le voit ici. Tu veux délivrer? Oui. Tu es sûr? Oui. Jésus, le Seigneur. Oui. D'accord? Amen. Amen. Madame Maro. Amen. Madame Maro. Amen. Madame Maro. Madame Maro. Madame Jésus. Amen. Madame Maro.
Acclamer Jésus.
dans ton corps. Ça vous fait tes muscles. Ça chauffe, ça prend tes muscles. D'accord. Ton sang chauffe. Oui. D'accord. Ça chauffe à l'intérieur, mais la température n'est pas extérieure. C'est à l'intérieur tu sentais le sang chauffer. Oui. Et l'aurore, c'est qui? C'est ma soeur. Elle est laquelle hier? La première femme de ton père. Oui. D'accord. Et est-ce que laisse Dieu faire, il faut pas faire palabre, d'accord? Non, je suis okay. Donc maintenant, Dieu est en train de régler. Je lui ai dit, il ne faut pas envoyer son famille. D'accord. Ce problème-là, il est en train d'être réglé. Okay. Voilà. D'accord. Si Dieu révèle l'origine de ton mal avec précision, d'accord, c'est que Dieu est en train de régler ton problème. Celle qui gérait toute ta vie. Maintenant, tu deviens délivré. Amen. Va t'asseoir. Les portes seront grandement ouvertes. Va t'asseoir. La grâce de Dieu. Va t'asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen, madame. Que les gens ne vous suivent pas, ils vous suivent. Vous pensez que vous n'avez pas le contact des gens, mais les gens, ils vous suivent, ils savent. Et c'est pour cela que Dieu, il faut des ministères de délivrance. Tant qu'il aura la présence des ténèbres dans votre vie, sera difficile pour vous d'avancer. Si vous n'avancez pas, c'est qu'il y a un obstacle. Il y a une main obscure qui vous fait que vous n'avancez pas. Tant que la main n'est pas dégagée, vous n'aurez pas de guérison ni un miracle. J'ai envoyé le feu chez elle là-bas, d'accord? Amen. Amen. D'ici deux semaines, tu viendras dans le témoignage. Amen. De la puissance de Dieu. Le témoignage. Bonsoir. Donc je voudrais rendre témoignage ce soir. Allez, vous ne savez pas ce que vous avez déclenché aujourd'hui. Hein? Vous avez fait une mise à jour du système prophétique dans mon corps. C'est bien. On y va. Oui, je voudrais en témoignage ce soir parce que Dieu s'est manifesté puissamment dans ma vie et dans celle de ma famille, par le canal du prophète Crasso notamment. Et donc voilà, c'est un peu l'histoire d'une famille, enfin ma famille, une grande famille complètement détruite que Dieu est en train de reconstruire par sa main puissante envers et contre toutes ces adversités qui se dressent. Et donc bon, ça a commencé, on était depuis presque toujours sous le joug d'un sorcier qui s'est attelé à mettre la division dans notre famille. Donc c'est mon père, hein, je ne vais pas aller dans les détails sur ce truc-là, mais pour qu'on puisse comprendre le contexte. Pour qu'on puisse comprendre le contexte. Donc il s'est attelé à mettre la division dans la famille. Et, c'est-à-dire que le père, c'est ça? Oui, le père. Comment c'est passé? Déjà, pour mon cas personnel, il s'est vraiment employé à me faire croire que j'étais sorcier. Donc moi qui suis souvent plein de sollicitude pour les gens, qui aide beaucoup les gens, il me faisait croire, c'est dommage quand même qu'il y ait ce problème spirituel. Où aussi, les autres dans la maison faisaient des songes où ils me voient attaquer, faire des mauvaises choses, des pires choses.
Donc moi, ça a eu un grand effet sur moi, puisque ça m'a donné l'impression de ne pas être digne de Dieu. Donc je n'osais pas, je ne pouvais pas me retourner vers Dieu avec toutes ces choses que je faisais. Il me disait toujours, Dieu il est esprit, ce qui compte c'est ce que tu fais quand tu es esprit, et voilà. Donc il y avait ça, et puis même dans la journée, à dire, à monter les gens contre Paul, Jacques, et donc voilà. Il y a un événement qui a fait que tout a éclaté, chacun allait de son côté, donc la famille complètement détruite. Donc moi de mon côté, ma soeur Marina de son côté, que j'ai presque pas connue dans l'adolescence, mais un peu plus grand, parce que voilà, on était avec tous ces problèmes-là. Ah donc tu n'as pas connu Marina dans l'adolescence? Bah, séparés. Voilà, on se fréquentait pas trop, on parlait pas trop. La méfiance. Voilà, il y a eu beaucoup de méfiance. À cause de la sorcellerie. Cette division-là qui était instillée. Et donc, Marina a fait votre connaissance. Donc, c'était un parcours, hein, un long parcours jalonné de révélations et de délivrance. Et ça commençait par cette révélation-là de qui faisait ces choses-là. Et donc moi je suis venu en entretien avec le prophète pour un problème et il m'a dit cette phrase-là que voilà, que j'étais pas sorcier, mais qu'on prend mon visage pour faire la sorcellerie. Et ça a été pour moi libérateur. J'ai pu me sentir digne de Dieu. J'ai pu me sentir à nouveau digne de Dieu et me tourner vers lui et voilà, par le biais du prophète. Mais c'était pas tout. Il y avait encore cette famille qui était complètement morcelée. Ma mère seule dans ses côtés, de son côté, avec des problèmes vous pouvez même pas imaginer. Et voilà. De fil en aiguille, on est venu, je suis venu. Le prophète a effectué la délivrance, cassé plein de choses, des révélations pour savoir ce qui se passe. Ma mère est venue encore récemment. On a retrouvé notre mère. On était vraiment orphelins de père, de mère, du coup. Parce que sa mère était isolée, sorcellerie. Lui, sorcier, c'est ce que les gens disaient. Mais encore, j'étais séparé avec leur maman. Elle était dans son coin, pas de contact, tout ça. Et donc voilà. Donc j'ai dit, faites venir la maman. Ouais. Va l'aider. Ouais. Ouais, c'était un pur hasard, hein. On l'a croisée comme ça, bon, on vous dira peut-être après, et puis on a parlé de l'église, du prophète Crasso, elle est venue, et voilà les choses comme elles sont, puis après ça a été le tour de ma petite sœur aussi, qui peut-être certains ont vu la semaine dernière, un grand problème de sorcellerie aussi, et utilisé vraiment pour nuire dans la famille, et cette délivrance-là aussi fait qu'on retrouve notre petite sœur aussi, qu'on avait aussi perdu comme pour tout le reste, avec ces histoires-là. Donc c'est vraiment une reconstruction de la famille miraculeuse, vraiment miraculeuse. Donc voilà, je remercie Dieu et le prophète Crasso aussi qui a... Merci. On acclame le Seigneur. Donnez-nous une fois, maman. Comment tu te sens? Je me sens bien. Je me sens bien, tout simplement, c'est un bol d'air d'être parmi mes enfants. N'allez pas derrière, Denise. La vie d'être à la tête, non la queue. Mettez-vous ici. Ils ne sont pas tous là. Je rends grâce à Dieu parce qu'il a commencé la restauration de cette famille. Et je garde espoir. Chaque chose en son temps. J'ai eu 9 enfants. Je souhaite les avoir tous. Comment le poche je suis vraiment heureuse. Ça fait combien d'années qu'il y avait cette séparation et que ta fille Marina ne te voyait plus, que Isaïe ne te voyait plus? Ça fait combien de temps? Ça fait depuis 2016. 2015-2016, je crois. Au-delà de cette séparation physique réelle, on ne s'est jamais entendu avec ma mère, par exemple. On s'est jamais entendu, ça n'a jamais fonctionné. Voilà, mon père faisait tout pour que de l'accabler aussi. Elle est sorcière, elle n'est pas bien, monter les uns contre les autres. Et même si après cette séparation physique, parce qu'en tant qu'enfant, on vit dans le foyer avec ses parents, c'est normal.
on s'est jamais entendu, on n'a jamais pu être proche, il n'y a jamais pu avoir voilà, d'amour, mère-fille, père-fille, mère-fille, mère-fils, comme ça doit être normal dans la foyer. Donc voilà, même au-delà de cette séparation, c'était déjà depuis le début quelque chose de cassé. Voilà. Retour par moment, qu'est-ce que tu ressens? Ben, je suis contente, parce que comme il a dit, j'étais vraiment orpheline. Et j'en trouve ma mère, j'en trouve mes frères, j'en trouve ma famille, je suis heureuse. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je suis heureuse. Merci le travail que je vous ai fait. C'est mon ministère. Amen. C'est de mettre les gens ensemble avec Jésus. Il manifeste sa gloire. Amen. Ok, je vais poser une question. Dans le micro d'Abdi, dans le micro, ça va? Tu sais que le culte, tu as fait beaucoup d'âge. D'accord? Tu n'allais plus à l'école, c'est ça? Non. Tu as repris les cours? Oui. Est-ce qu'on peut acclamer le micro? Oui, ça c'est un gros truc. Tu l'as envoyé chez le... Comment vous l'appelez, le psy, quoi là? Mais voilà, elle était tout le temps chez le psychiatre. Pourquoi? Parce qu'elle était perturbée, elle était... Je ne sais pas comment décrire ce phénomène, moi-même j'avais peur. Je n'en pouvais plus. Et au moment du désespoir, par hasard, j'ai croisé mes deux fils qui ont permis de me retrouver ici. Depuis un mois. Comment depuis un mois la rencontre avec le prophète, qu'est-ce qui est avancé, est-ce que vous avez changé un changement? Oui, il y a un grand changement parce qu'il y a eu la délivrance de Naomi, la petite dernière. Donc c'était, bon, je ne vais pas dire un gros morceau, mais il y en a des gros morceaux. Et là, elle n'allait pas à l'école. Elle n'allait pas à l'école du tout, mais elle est bonne élève quand même. Dans le micro, Esaïe, oui. Donc pour cette histoire-là, moi, quand j'allais voir ma mère, je l'amenais avant qu'elle vienne à l'église, elle me parlait des problèmes, et ce problème de ma petite soeur qui n'allait pas à l'école, c'était un truc qui la tourmentait. Je lui ai dit, tout ça là, c'est spirituel. Dès que tu vas venir à l'église voir le prophète, tout va se décanter, va se régler. Alors, il est venu ici, elle a fait la délivrance le dimanche. Elle ne trouvait pas d'école, il y avait des problèmes. Tu pourras raconter après comment ça ne passait pas, les dossiers, il n'y a pas de place, tous ces trucs-là, elle ne pouvait pas aller à l'école. Ah, qu'elle est brillante. Elle est venue faire la délivrance dimanche, le mercredi. Ma mère m'a demandé de faire une lettre de motivation pour une école privée, en plus catholique à côté. Elle a été prise le jour même, 3 jours après. Qu'est-ce qui faisait que tu n'étais pas motivée? J'avais pas envie d'aller à l'école, alors que je suis bonne élève. J'étais fatiguée, je voulais mourir, j'étais tout le temps dans le noir. Quand je suis venue vous voir, tout de suite j'ai eu envie d'aller à l'école. Et puis on ne trouvait pas d'école avant, il y avait toujours des soucis. Il n'y a plus de place, c'est trop loin, c'est pas le même département. Et tout d'un coup, tout s'est décanté. J'ai trouvé une école juste à côté de chez moi. Avec un très bon emploi du temps. Oui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et du coup, la sorcellerie. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Moi, j'aime ton mari, j'aime ton mari, le père des enfants. C'est normal. Je l'aime bien. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes un homme de Dieu. Non, parce que Dieu l'aime. Ah voilà. Donc, parce que Dieu l'aime. Si Dieu l'aime, je dois l'aimer. Voilà. Dieu aime les mauvais. Bon, je ne dis pas, mais on va, vous voulez qu'on le récupère? Prophète, il a fait beaucoup de choses. On ne va pas être allé ici maintenant, mais
si c'est la volonté de Dieu qu'il soit récupéré. Amen. La question est posée. Non, on n'a aucun pouvoir. Non. Je vous demande de répondre. Oui, non. Non. Répondez. C'est quoi la question encore? Est-ce que vous voulez que Dieu le récupère? Amen. Oh, non, 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 s'il vous plaît. On est dans le prophétique. Je vous ai dit, le système a été mis à jour. Laissez tranquille. Oui, je le souhaite, moi. C'est ton chien. Oui, oui, oui. Si vous pouvez le récupérer, oui. Que tu le récupères, c'est ce qu'on veut. S'il vous plaît, ce que je vais vous dire, ne gardez pas de haine pour vos pères. Si vous marchez avec la haine, vous n'allez jamais voir la main de Dieu agir dans votre vie. Il dit pardonnez aux hommes votre faute, comme nous pardonnons aux autres, ceux qui nous ont offensés. Pardonnez nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je ne rentrerai pas dans les détails, ça ne m'intéresse pas les détails de ce que vous avez subi. Ok? Dieu va commencer à faire un miracle. Amen. D'abord, il ne fait pas une œuvre à moitié. Ce qui est celle de lui. Hein? Baruch Hashem, le Dieu d'Israël. Ce qui est celle de lui, il ne fait pas une œuvre à moitié. C'est-à-dire que quand il commence quelque part, il va jusqu'au bout. Est-ce que tu pensais, n'est-ce pas, que toi et ta maman pouvaient être arrêtés comme ça? Non, c'était pas possible, non. Très bien. Tu vois un miracle, non? Complètement, oui. Je crois sur le miracle. Dans la vie de ton père. Amen. Vous êtes tous Caleb. Ah oui. Laissez-moi finir mon prophétique avant de chercher ta mère. Sinon, on va les déposer là-bas. On va les déposer. Caleb, parce que Caleb, c'est bon. On l'a Caleb. Ok? Je veux qu'on le récupère. Et je veux que vous formiez une famille solide. Amen. Je sais que vous avez, il y a trop de choses dans le cœur. Chacun d'entre nous a des erreurs. Chacun d'entre nous a commis des erreurs. Peu importe. Si nous allons sur la base d'un procès, nous allons perdre le combat. Elle a signifié quelque chose tout à l'heure. Elle dit même Jésus à la croix, elle a dit au brigand, tu seras avec moi. Oui, amen. D'accord? Oui. Okay. Vous venez de goûter au salut. C'est bon, non? Très bon. Mais mettez-le dedans. Amen, amen. Vous bien? Amen. Très bien. Vous avez vécu des bons moments quand même ensemble? Oui. On peut acclamer le Seigneur. Ça, moi, j'ai dit chérie, viens chérie, n'est-ce pas? Hein? Il faut regarder à ce bon moment. Si aujourd'hui Dieu a fait un miracle, tu sais, la rencontre avec toi, je savais déjà c'était chose qui était en train de se préparer. D'accord? J'ai vu que tes enfants n'y croyaient pas. Parce qu'ils m'ont dit, notre maman, elle ne va pas accepter. Non, je t'ai dit déjà. Oui. Moi, j'ai détecté un esprit et les gens disent elle ne pourra pas accepter. Je leur ai dit stop. Vous ne pouvez pas freiner la main de Dieu. Vous ne pouvez pas freiner la main de Dieu. Quand toi et moi, on s'est rencontrés, on a parlé de beaucoup de choses. Je t'ai vu, tu as coulé les larmes. Je voyais que Dieu était en train de faire quelque chose dans ton cœur. Amen. Et j'ai senti que Dieu est en train d'agir. Et j'ai dit aux enfants, ils étaient tous là. Les choses s'est passées. J'ai dit, aidons ensemble. Mettez-vous avec moi, aidons-nous votre maman. C'est pas ce que j'ai dit. Okay. J'ai dit, ne regardez pas tout ce qui se passe. Sauvons-la. Si vous éloignez d'elle, vous ne la sauvez pas. C'est parce qu'il y a Dieu d'elle. Okay. Entourez-la de l'amour. La maman est venue, on a fait sa délivrance. Toi, tu t'es venu en mission. Manger le prophète n'est pas là.
Le jour où j'étais vu, j'ai détecté pas mal de choses. Tu n'étais pas prête à changer. Hmm? Et on t'avait envoyé en mission, n'est-ce pas? C'était pourquoi? C'est pour gâter toute ma famille. Non, quand tu es venu à l'église la dernière fois. Pour manger ma nièce. Non, pas manger la nièce, la première fois que tu es venu. Ah, pour paralyser le prophète. D'accord. Elle est délivrée. Amen. Est-ce que moi je t'ai condamné? Tu m'as vu, je t'ai rejeté. Tu m'as banalisé. Ok, l'action j'ai banalisé. Mais toi, j'ai cru demander au Seigneur de te récupérer. Amen. D'abord, quand l'action s'est passée, j'ai banalisé l'action. Parce que tu ne peux rien. D'accord? Et je t'ai vu en train de m'attaquer, j'ai banalisé l'attaque. Ok? Et je te donnais un rendez-vous pour te délivrer. Et ce jour-là, tu as parlé, à point que mes parents ont eu peur. Ce jour-là, j'ai eu peur de la prendre dans la voiture pour partir. Ah, ça, je vous dis la vérité. Donc, elle est restée seule. Et j'étais moi-même obligé de régler la situation. Vu qu'elle dit à sa maman, je vais dans son lit. Elle dit, non, tu ne vas pas dans mon lit aujourd'hui. Tu ne vas pas dans mon lit. Elle a déjà préparé un petit sort pour manger la maman. Donc là, la semaine qui suivait, il devait avoir pas mal de choses. Ok? Ok? Et c'est moi maintenant qui ai dit non, vous voyez, aidez-la. Non? Elle a dit, tu as fait tellement de choses, c'est ça? Moi, j'aime votre papa. Ma prière est qu'il retrouve sa famille. Amen. J'ai commencé à prier le Seigneur. Il faut qu'il retrouve sa famille. Est-ce qu'on est d'accord? Non, j'ai l'impression que, vous savez, on ne choisit pas un parent. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? On va voyager. Hein? Non, peu importe ce qu'on a subi, peu importe ce qu'on a vécu, je suis en train de vous montrer l'amour de Dieu. Au-delà des choses qu'on nous a faites, Dieu aimerait que nous partions. Ça, c'est un. Et si on peut sauver une personne en sans nous faire du mal, gloire à Dieu. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce principe, les choses ne vont pas s'achever. Et dans la sorcellerie, tu gardes quelque chose encore. Sauf que j'ai vu la situation pendant lundi, mardi, mercredi, jeudi et samedi. Vendredi, j'ai gagné mon combat. J'ai pris 5 jours pour vaincre l'attaque. J'ai pris 5 jours pour vaincre l'attaque. Parce que tu détiens encore quelque chose de cette personne. C'est quoi? Qu'est-ce que tu dis, tiens? Voilà. Non, pas la méchanceté. Il y a quelque chose que la personne t'a donné. Si tu me l'as dit, il y a quelque chose qui t'a remis. Et la personne t'a remis comme ça. Si tu l'as dit, je vais t'aider. En sorcellerie, mais c'est un objet. Elle sait. Je sais. Une carte qui lui permet de pouvoir voyager. Et la carte est où? Elle est dans ma chambre. Elle est dans ta chambre. Et puis elle t'a donné un dessous rouge. Hein? Ok. La personne t'a donné une carte, n'est-ce pas? Et puis un dessous rouge. Excusez-moi. Hein? C'est choquant un peu? Non, vous n'êtes pas habité, il reste à la tête. Elle t'a réclamé 100 semaines. Si. Parce que c'est ce qu'elle m'a dit. La
personne t'a réclamé 100 semaines de lui donner ça. Ok? Et la prochaine victime, c'est celui qui est derrière. Oui. Ton frère juste à côté, parce que la personne réclame quelque chose. Tant que tu ne donnes pas sa chose, elle va aller détruire les lois. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai. Mais c'est des choses qu'il ne faut pas cacher. Nous sommes dans le prophétique, c'est des choses qu'il ne faut pas cacher. D'accord. Oh, monsieur, hein? Tu peux rien? Non, viens ici. Pas le dos. Non, viens ici. Viens ici. Vous savez, si vous avez la foi, nous arriverons jusqu'au bout. Amen. Si vous avez la foi, parce que ne soyez pas influencés par ce que vous entendez maintenant. Regardez ce que l'Éternel fera pour vous. C'est ce qui est plus important que tous ces petits détails. Ton seul problème que tu as, tu joues beaucoup avec l'histoire de Dieu. Oui. C'est le problème que tu as. C'est pour ça que la personne a décidé de t'éliminer. La personne voit beaucoup de choses. Depuis un moment, la lumière de ta maman commence à prier, depuis un moment, plein de choses. Mais toi, ta flamme n'est pas réallumée. Parce que les choses de Dieu, tu les banalises beaucoup. Tu ne prends pas beaucoup ça au sérieux. Okay? Mais ça n'arrivera pas. Amen. Il y a un problème, il dit même pas amen. Vous voyez? Il y a un problème. Tu ne crois pas ou tu crois? Mais on dit ça n'arrivera pas, ça veut dire amen. Je cherche mon amen. Amen. Et toi, tu as pas ça. Amen. Amen me dit, ainsi soit-il. Je suis d'accord avec ta déclaration. Amen. Moi, je déclare quelque chose. L'ennemi programme que je déclare quelque chose. Amen. Qui ne doit pas arriver. Amen. Tu sais que d'ici deux semaines, tu allais gigler dans le sang. Pas d'accident. C'est ce qui était prévu, la stratégie a changé. Tu allais marcher pour tomber et tu allais saigner du nez et puis bon, t'es parti. Mais ça n'arrive pas. Amen. Vous savez à qui nous avons affaire? Vous savez à qui nous avons affaire maintenant? Non? Non, 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 au diable. Le combat n'est pas physique. Non. Voilà. Si je veux vous enlever l'esprit de la chair, où on doit faire le combat avec quelqu'un, il va vous frapper. D'accord? C'est Denis, on ne va pas combattre le sang et la chair. Nous ne combattrons pas le sang et la chair, nous allons combattre l'esprit. Quand je te vois, les choses se sont repositionnées en toi, sauf lui. Lui, il y a le problème. Voilà. Tu étais programmé à la mort, c'est fini ça. Mais tout le monde va se convertir. Tu crois ça? Oui. Tout le monde. Hein? Oui. Je crois que tout le monde va se convertir. La clame du Seigneur. Le rythme ne m'intéresse pas. C'est ce qui sera fait là qui m'intéresse. Ça sera fait. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il ne peut pas agir, il ne démarre pas une action de délivrance. C'est pas possible. Mais
Telles que les choses sont en train de se passer, nous voyons trop la main de Dieu d'une manière puissante en train de vous remettre ensemble. Pour parfaire son miracle, j'aimerais que tout ce que vous avez contre votre père, les enfants, elle s'est... Il va être délivré, mais on ne sait rien, ça. Ah, bon. Ah, est-ce que je ne sais pas. Après le cœur, là, c'est chacun qui parle pour son camarade. Personne ne parle pour son camarade. C'est une question de cœur. Couleur, pardon, de délivrance. Oui, voilà, c'est ça. Mais... Il n'y a plus quelque chose contre lui. Non, non. Okay. Également pour les enfants. Pour les enfants, il n'y a aucun souci. Ok. Ok. Mais la chose, monsieur, il faut qu'on lui restitue ça. D'accord? Tu as vu que Jésus t'a délivré. On peut acclamer le Seigneur pour ça. Tu sais, après j'ai regardé la vidéo et jusqu'à 1h du matin, j'ai tombé de supprimer ça sur Facebook. Parce que ça grimpait, ça intéressait les gens de savoir. J'ai tombé de supprimer. Pourquoi? Parce que je protégeais ton image. Je savais que Dieu allait agir fortement pour t'amener dans une école. Et moi et mon épouse, on en a parlé. On a parlé de ça, tout ça. Et jusqu'à 1h du matin, j'ai supprimé la vidéo sur Facebook. Amen. J'ai même dit à mon informaticien, ne mets pas ça sur YouTube. Amen. Beaucoup m'appelaient, mais ils me disent, mais les amis, les amis, les voir. Non, nous, ça ne nous intéresse pas, les aveux. Ce que nous voulons faire, c'est de protéger et sauver une vie. C'est ça qui était plus important. Mais toi, vrai que Dieu t'a délivré, mais il faut être sincère après lui. D'accord? Tu veux que Dieu te délivre? Qu'est-ce que tu aurais fait un jour? Ton boulot? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Pas du tout? Non. Elle ne voit pas, oui. Elle dit quoi? Parce qu'elle dit que je ne veux pas que les gens entendent. Tu as vu que tu n'es pas sincère, en moi. Voilà. Oui, mais là, je sais plus. Avant, je voulais être avocate, mais ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu avais dit? Elle m'avait dit que je voulais être avocate. Pourquoi faire? Je défends les gens. Ah! Ça t'intéresse de défendre les gens. Et du coup, ça t'intéresse plus en quelle classe? Tu sais où Dieu veut t'envoyer maintenant? Dans le corps médical. Amen. C'est dans la chirurgie. Je te vois comme un chirurgien. C'est-à-dire médecin, mais jusqu'à la chirurgie. C'est comme ça que je te vois maintenant. Je vois que Dieu t'aime beaucoup. Tu vois l'amour de Dieu pour toi. Malgré beaucoup de dégâts. Hein? Malgré qu'on a fait beaucoup, tu vois, vous voyez l'amour de Dieu. Une personne qui décide. C'est pour ça qu'il manifestait l'amour, c'est important. Vous savez ce qu'on appelle l'amour? C'est différent de l'estime. L'amour, même quand vous savez que quelqu'un n'est pas bon, vous ne regardez pas son côté mauvais, mais vous regardez comment la nevée dans cette mauvaise chose. C'est ça l'amour que Dieu a eu pour nous. Toi, en réalité, toi et moi, nous étions tous mauvais. Jean chapitre 3, le verset 16. Si vous lisez ça, vous allez voir la compassion pour les âmes. Dieu aimait le monde qu'il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, qui est la vie éternelle.
au point qu'il périsse dans son péché. Par moments, nous sommes toujours prêts à faire des procès condamnés. Dieu ne condamne jamais. La dame qui est venue près de Jésus, lui envoyer une femme pleine à attraper le fangage d'adultère. Jésus dit, celui qui n'a jamais péché, chacun a fui. Hein? Ils sont venus, ah Jésus, tu vois, selon la loi de Moïse, cette femme mérite d'être lapidée. Toi, tu dis quoi? Vous savez, qu'est-ce que Jésus a fait? On est dans le prophétique, hein? N'est-ce pas? Je pense qu'Abraham, vous avez déclenché des choses en moi. Hein? Dimanche prochain, ça serait grave. Amen. Ok, une minute, j'arrive sur vous tout à l'heure. Je peux parler, s'il te plaît, monsieur. Levez-vous, vous avez des chats. Levez-vous. Vous aimez votre famille? C'est une question banale que je viens de poser. Comment? Je vais poser une question très banale. Vous aimez votre famille? Votre petite famille? Oui. Vous n'acceptez pas que votre soeur soit sorcière? C'est une question que je vais poser. Si elle est sorcière, elle est sorcière. Tu peux aussi être sorcière. Donc c'est pas moi que... Je suis prophète. Je ne sais pas la guerre que je fais avec vous. Je n'ai pas entendu faire une guerre avec vous. Mais j'ai eu des pressions. L'Esprit de Dieu me parle, me dit, celle à qui tu te confies, la maison, tu ne veux pas que le problème soit réglé. C'est ce que l'Esprit de Dieu me dit. Laissez-moi, c'est moi qui suis venu après vous. Vous aurez l'occasion de parler. Ou bien si vous voulez, je m'éclipse. Je ne suis pas en procès avec vous. D'accord? J'étais en train de régler un problème. Quand l'Esprit de Dieu m'a poussé à venir. Maintenant, si vous voulez faire un procès à moi, moi je retourne à mon travail. Il n'y a pas de procès. Je ne sais pas ce que vous pensez qui m'intéresse. C'est de résoudre le problème. Il faut le résoudre. Amen. Il faut le résoudre. Non, j'ai l'impression que vous avez un problème. Le problème que vous avez, vous ne voulez pas que la situation se règle. Vous avez une sœur qui est sorcière, qui a les clés de la maison, celle qui se confie, à qui vous vous confiez beaucoup de choses. Arrachez-lui cette clé. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? D'accord. Vous, j'ai commencé même. Vous allez faire ou pas? Je vais le faire. J'ai commencé. Vous avez pris la clé ou n'avez pas pris la clé? J'ai pas encore pris la clé. Prenez la clé. Allez, prends la clé. Prenez la clé. Tu sais, Dieu va te bénir. Regardez-moi. Rappelle-moi ton nom, c'est quoi? Zadie. Dieu va te bénir. Je ne le dis pas pour te faire plaisir. Je ne le dis pas pour te faire plaisir. Parce que tu l'as fait par amour. Je ne t'accuse pas. Tu agis comme un parent doit agir. Tout le monde a commis ses erreurs. Tu ne savais pas. Non. Si tu savais, on ne serait pas arrivé là. Mais il y a une influence de la sorcellerie de ta soeur sur toi. Il t'a loupé. C'est pour ça que je dis, dans ton esprit, tu n'acceptes pas encore la chose. C'est pour ça que tu ne l'as pas fait. Le jour où tu l'arraches la clé, parce que c'est dans cette maison que beaucoup de choses se passent. Tu sais? Oui. Pourquoi tu ne fais pas? Ah! Allons-y, prenez le micro, j'ai un appel. Allons-y. La Bible dit, celui qui sait quelque chose, qu'il ne le fait pas, commet un péché. Quand tu sais quelque chose et que tu ne le fais pas, tu commets un péché. Si tu sais que c'est mauvais et que tu ne le fais pas, tu cochons la chose. Le jour où tu sais que c'est ton ennemi, mais détache de lui. Dieu te dit, c'est ton ennemi. Encore tu dis, au prophète, je sais. Et tu fais quoi? Sorti de là. Mais Dieu va te bénir. D'accord? Viens ici.
C'est vrai que tu es mon vieux père. Je suis ton père spirituel. Ça dit bien. C'est comme ça, il est perdu. Il agit comme un parent. Il est perdu. Il n'arrive pas à se retrouver. La première critique dans cette histoire, c'est le seul problème que le Saint-Esprit lui reproche. Aussitôt, faut régler la chose. Qui est allé dans une marmite, dans un canari mystique. Oui. Hein? Oui. Tu sais ça? Oui. Très bien. Vous voyez? Il sait. Ah, c'est que vous avez demandé la révélation. Oui, elle a fait un. T'as vu dans. Oui. T'as passé par ta vie, il te dit que tu es allé dans un canari. Oui. Mais dans le canari, j'ai encore un carvenant dans lequel est enfermé ou quel qu'elle soit. Hein? J'y ai pensé ce matin. Tu as pensé à ça? Ce matin. Okay. Est-ce que quand tu penses à ça, j'étais là? C'est ça, on appelle le système prophétique. Amen. Amen. Yeah.
aidons-le. Hein? Bon, je vais vous aider, d'accord? D'accord? Tu as pensé, ça? Au cardinal? Le cardinal, j'y ai pensé ce matin, mais j'ai l'air. D'accord. Oui, mais quand tu as pensé à ça, et le Seigneur me dit, tu ne m'as pas dit. Non. C'est nos révélations, ce qu'on appelle le système prophétique. Effectivement, tu es dans le cardinal. Donc, elle te contrôle à partir de ça. Mais je mets le feu sur le cardinal. Le feu sur le cardinal. Et je brise ce canari dans le nom de Dieu. Et je libère ton âme. Il est navré. Au cas où on arrive, la mort du navré. Amen.
Jésus.
Dieu veut mettre fin à ta souffrance. Tu as trop pleuré. Aujourd'hui, ainsi parle l'Éternel. Vos foulards, s'il vous plaît. Ainsi parle l'Éternel. Je mets fin à cette souffrance. Amen. Effectivement, ton âme était dans le cardinal. Dans le canal. C'est ça que toute chose qui venait d'elle, ça te choquait, tu ne voulais pas. Mais aujourd'hui, Dieu te fait sortir du canal. Amen. Et Dieu restaure ta foi. Amen. La peur est là. La grâce abonde. Amen. Ta fille rendra les témoignages. Amen. L'argent va commencer à circuler. Amen. Et Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, dis à bon. Dis à quelqu'un, dis à bon. Dis à quelqu'un, dis à bon. Sois le bon papa. Maintenant, là, le prophétique, on est dans le prophétique. Il fait quelle heure là déjà? Continuer parce que je veux le système prophétique, c'est quoi? Allons-y, allons-y. Non, les papas, on dit l'esprit du Saint, le prophète est soumis au prophète. Ok, il s'agit de votre famille. Il faut que qu'on voit de la même manière, d'accord? Ce que je vous demande de faire, je vous essaie. Je vais mettre des temps pour toi. Je vais lui montrer là. On va. Ce que je vous demande, ayons affaire au diable. Parce que le diable, il détruit. Je vais lui dire, ah non, c'est. Le diable passe par quelqu'un. C'est vrai. C'est vrai. Mais je vous dis, le terrain maintenant favorable. Nous pouvons aller se mettre ensemble par amour. Écoutez bien mon message. Je ne dis pas un message dans la chair. Mon message est trop spirituel. Il vient de Dieu. Le message là, si vous gardez, l'un d'entre vous garde de la reine pour celui, pour les enfants, pour votre père, nous ne gagnerons pas cette bataille. Parce que tu ne peux pas prier pour quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu ne peux pas pour quelqu'un que tu haïs. Tu ne pourras pas faire une bonne prière. Et donc, adresse une prière à Dieu. D'ailleurs, le miracle, il est ce qui est surnaturel, ce qui est possible pour vous, est possible à Dieu. Par amour, gagnons notre bataille. D'accord? C'est pour cela que je m'abstiens de dire certaines choses parce qu'on n'a pas le même niveau spirituel. D'accord? Moi, tout ce que je vois, le papa sera gagné. Le papa viendra ici. Amen. Il va témoigner de la puissance de Jésus. Oui, moi je crois au miracle. Amen. C'est ça la foi. Moi je crois au miracle. La Bible dit ce qui est impossible. Tout est possible à celui qui croit. C'est-à-dire quand tu vois, c'est-à-dire quand dès que tu crois, ça devient possible pour toi. C'est quand tu ne crois pas, ça devient impossible. Parce que la foi, c'est spirituel. La foi n'est pas charnelle. Mettez-moi en genoux, priez pour moi, papa. Mettez-moi en genoux. Levez les mains. C'est une action prophétique, hein. Vous avez l'idée du cœur. C'est ça? Très bien. Vous allez lever les mains ensemble. Nous allons prier. Nous allons dire au Seigneur, nous l'aimons. Vous allez dire. Vous dites le nom de votre père pendant que nous prions. Vous dites au Seigneur, nous aimons nos papas. Elle dira, je ne sais pas si c'est chéri ou le père des enfants. Mais je prends tout son père. Je veux
Je veux que l'amour ressorte dans ce qu'on dit. Nous l'aimons et nous voulons que cette famille se remette ensemble. Et nous prions pour que toi, Dieu, dans ta souveraineté, redonne notre papa. D'accord? On peut faire la prière maintenant? Allez-y. Je vous aime. Allez-y. Seigneur Jésus. Allez-y. Levez la main, priez pour tout le monde. Pendant qu'elle prie, nous levons, voilà les mains tendues vers ici. Même esprit avec cœur. Parce que pour se retrouver dans la même situation. La haine soit neutralisée. Oui, la haine soit neutralisée. Que l'amour l'emporte. Oui. Habite nos cœurs. Afin que l'action soit possible pour nous. Habite en nous, Seigneur. Afin que nous retrouvions la joie. Amen. Habite nos cœurs, Seigneur. Afin que nous retrouvions la paix. Amen. Habite nos cœurs, Seigneur. Afin que la victoire soit complète. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Père. Récupère ton enfant là où il se trouve. Ramène-le dans ta lumière. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je veux que Isaïe prie en tant que l'aîné des enfants. Vous priez pour le Père. Nous l'aimons, nous l'aimons. Nous l'aimons, nous tous, nous l'aimons. Seigneur, nous aimons notre Père. Enlève dans notre cœur toute haine, toute colère, tout ressentiment que nous pouvons avoir pour lui. Et par ta grâce, ta puissance, ramène-le dans ta lumière. Amen. Restitue-le nous. Amen. Qu'il soit restauré dans ta grâce. Dans Amen. Ta Amen. 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 Aujourd'hui même. Amen. Aujourd'hui même. Écoutez-moi. Dieu a exaucé votre prière. Amen. Amen. Ne vous croyez ou pas. Aujourd'hui, votre prière est exaucée. Amen. Vos prières viendront en témoignage. Amen. De la puissance de Dieu. Amen. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Une action très forte de Dieu. Dieu n'est jamais allé. Matthieu était un piégé. C'est chez lui Jésus allait manger. Mais j'en ai un. Le monde physiquement, vous allez l'engendrer spirituellement. Par amour. Quand vous avez de la haine pour quelqu'un, vous ne pouvez plus prier pour cette personne. Vous libérez votre cœur, la grâce de Dieu sur vous. Amen. Amen. Voilà. Je n'ai pas voulu aller très loin dans mes révélations, mais sois sincère. D'accord? Voilà, par moment, il faut être très sincère. Je sais que ton âme est sauvée. Je sais que beaucoup de choses. C'est pour ça que je n'ai pas voulu rentrer dans beaucoup de détails concernant la révélation, ce qui concerne la sorcellerie. Je n'ai pas voulu rentrer dans beaucoup de détails parce que tu es sauvé. Voilà, tu es sauvé. Ce qui est encore intéressant, c'est que là où tu devais partir, tu insistais pour qu'on t'envoie dans une école, n'est-ce pas? On t'envoie dans cette école. Et dans cette école, il y avait tellement de choses mystiques là-bas. Donc elle allait évoluer en grade en matière mystique. Non? Hein? Il y a tellement dans cette école, je ne dis pas le nom de l'école, dans cette école. Voilà, c'est pour ça que tu insistais qu'on t'envoie dans cette école. Et c'est Dieu qui t'a barré ça. Tu vas le chiffrer. Amen. Tu vois, tu sais, avec Dieu tenu, comme ça, excuse-moi pour l'expression. Et cette famille, parce que si j'ai pris que la puissance de ton esprit se manifeste encore à l'égard des membres de la famille qui ne sont pas encore là, nous te prions de les toucher. Amen.
Nous te prions de te manifester éternellement, notre Dieu. Tu es le prince de paix. Tu es celui-là qui est capable d'opérer le miracle et mettre les gens ensemble. Et nous croyons que cette famille sera ensemble. Nous croyons cette prière. Nous déclarons vaincu le système mis par place par la sorcellerie pour détruire cette famille. Tout plan déjà est détruit. Nous rétablissons cette famille dans leurs droits spirituels. Je communique la paix, l'amour, n'est-ce pas la bénédiction, au nom de Jésus. Je déprogramme la mort. Je proclame la main. Au nom de Jésus, je prie. Amen. 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 Allez-y dans la paix du Seigneur. Amen. Vous l'avez jamais appelé? Aimez appeler le boulot, papa, nous t'aimons. Amen. Regardez-moi dans les yeux, regardez-moi. Vous me promettez ça. Je vais l'appeler demain. Non, papa d'abord. Dieu vous aime, allez vous asseoir. Amen. Vous l'appelez demain. Et sois prêt à acclamer Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je n'ai plus assez de temps, mais je vais prêcher quelques minutes, on va prier, d'accord? J'ai l'impression que le système prophétique est trop fort. C'est trop fort. Dis à quelqu'un, c'est trop fort. Vous savez, vous ne savez pas ce que vous avez déclenché. Vous savez, je peux prêcher jusqu'à 6 heures. Je vois tout le monde, je commence à scanner tout le monde. Hein? Je dis là, c'est fort. Hein? Non. On n'a qu'à respecter nos cœurs. Non. On n'a qu'à respecter. Il y a des gens qui viennent de très loin. On a beaucoup de choses à faire. Je vais parler de la foi. Mais en même temps que je suis en train de parler, je vais passer dans le rangé. Puis on va prier, on va commencer à parler. Amen. Amen. Vous êtes bénis, dis amen. Amen. Tu as quelqu'un, tu es béni, dis-lui ça. Tu es béni, papa. Maintenant, tous les dimanches, je travaille dans le prophétique. J'ai vu maintenant que le système a été apte. Mise à nous, c'est ça, on dit. Mise à jour. Parce que j'étais trop dans l'esprit d'église, église, église. Maintenant, il y a eu la mise à jour. Il y a une mise à jour du système prophétique. Nous allons parler de la foi, d'accord? Seigneur, merci de bénir ta parole. Parce que c'est important. Dimanche passé, je n'ai pas prêché. C'est important de donner la parole de Dieu. Nous allons parler de la foi. Ok? La foi, c'est quoi? Je vais expliquer. Il y a croire, il y a la croyance. Je fais une révision. Il y a la croyance et puis il y a la foi. On peut croire en quelqu'un et puis ne pas avoir foi en cette personne. Vous allez me dire, ah, mais comment tu expliques ça? Ça s'explique. Amen. Amen. Je crois en toi, hein, mais je n'ai pas foi que tu peux faire ça. Amen. Amen. Ça vous allez m'arriver. Or, la foi, la définition de la foi est spirituelle. La foi n'est plus physique. La foi dont je parle d'une foi qui est spirituelle. Or, si vous voulez rentrer dans le système de la foi, vous devez vous-même devenir spirituel. Pourquoi? Je vous parle de la foi en Dieu. La foi en Dieu, c'est d'avoir une confiance totale en Dieu. C'est-à-dire, tu as une confiance, prêtez-moi l'expression, bête, sauvage en Dieu. Amen. Or, la foi dont je parle ici, c'est spirituel. C'est-à-dire, vois les choses, n'est-ce pas, comme si c'est déjà fait. Vois ce qui est impossible, capable, n'est-ce pas, d'être possible. C'est-à-dire, vois, même le médecin en train de dire, tu vas mourir, vois ta guérison. Amen. J'ai vécu un truc vendredi, j'ai dit avec mon épouse, on était à la maison, tu me permets ça au moins, je rends le témoignage, c'est un témoignage, je vais rendre à la gloire de Dieu, c'est important. On nous appelle vers 21h, 22h d'ici, on nous appelle, on dit, ta maman est tombée dans les pommes. Ta maman est tombée dans les pommes, mais on n'est pas convaincu, on n'est pas rassuré qu'elle va s'en sortir.
Donc je dis, appelle ton père. Donc je parle avec le père, c'est-à-dire mon beau-père, le père de ma femme. Je parle avec le monsieur lui-même, il n'est pas rassuré. Pourquoi? Parce qu'il l'emmène à l'hôpital. Et vous savez que les médecins sont en grève en Côte d'Ivoire. Actuellement, c'est en grève. Donc personne ne veut la prendre. Donc le père, il tremble. Il dit au secours, venez m'aider, au secours, il tremble. Et mon épouse me dit, mon papa, je le connais, il n'a jamais été dans ce genre d'état. C'est que la situation est grave. Mais en même temps, il ne veut pas qu'on explique les moindres détails à sa fille. J'ai dit, bon, moi je suis un homme d'esprit. Moi, j'allais voir ce qui se passe. Vous allez me dire, ah, il va aller voir. De toute façon, j'ai dit au Saint-Esprit, il va me donner les recettes de son grain. Amen. C'est pas l'autre. Il a fait comment? Amen. Monsieur Vécu. On va juger. On va juger comment? Chacun appelle sa force ce qu'elle a. Ma force est Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, du coup, je capte la chose. Le Saint-Esprit me parle, commence à me parler de la situation pour dire c'est alarmant. Elle risque de rendre l'âme pendant le trajet. Donc, du coup, pour trouver l'ambulance pour l'amener à Abidjan, on appelle il y a 2 heures du temps. Vous comprenez? Vous connaissez chez nous, hein? Ok. Les Daoutro à Abidjan, vous connaissez la voie? Vous n'avez pas dit non. Vous n'avez pas dit non. Vous n'avez pas dit non. Vous n'avez pas dit 2 heures. C'est maintenant dans 2 heures du temps. On a 21 heures, non? Où est-ce qu'on entend les parties? 2 heures du temps. C'est maintenant qu'on prend la voie. On amène l'ambulance. Mon épouse appelle. Je suis convaincu qu'il y a quelque chose. Je mets la main dans sa main. Je dis prions. Prions parce que la chose commence à être sérieuse. Amen. Et donc, du coup, je me positionne ma foi. J'ai la position cette fois-là. Et puis je refuse que le pire arrive. Amen. Amen. Il dit tout ce que vous demandez à mon nom, je le ferai. Amen. Amen. Tout ce que vous demandez à mon nom, je le ferai. J'ai dit, je refuse que le pire arrive. Et donc je dis, Seigneur, ton esprit, j'envoie un ange les escorter. Donc, en chemin faisant, on posait les questions, je la voyais, tout ça. Pour qu'on arrive déjà à Abidjan, il était déjà 3 heures moins du matin, 3 heures d'ici. Ok. J'appelle mon chauffeur depuis la maison. Cette question-là, elle arrivera. Je cherche une clinique. J'appelle mon chauffeur. Je dis, rejoins ma belle famille. Et comme j'ai un de mes fils spirituels qui est pasteur, qui est là-bas chez moi, je l'amène dans la voiture. Je dis, vas-y. Va, faites ça. Donc, ils ont rencontré mon beau-père. Ses soeurs étaient déjà là parce qu'on était au téléphone. Ils se sont rencontrés, ils se sont vus, ils ont parlé et tout ça. Donc, je demande à mon chauffeur la situation quand même. Ouais. Donc, j'ai commencé à prendre la chose au sérieux. J'ai demandé au pasteur. Ça va, pasteur? Il dit, je regarde la situation là. Si ce n'est pas un miracle. Comme il a dit, ce n'est pas un miracle. Moi, je crois au miracle. Amen. Le seul problème, le Saint-Esprit, il faut qu'ils arrivent. Donc, le Saint-Esprit me parlait pour dire 3 fois. Elle essaie de rendre l'âme 3 fois. L'Esprit de Dieu l'a soutenu, a ramené la chose. Et on appelle son père. Son père dit, il n'espère même pas. C'est-à-dire, il n'espère même pas. Et ses sœurs, tous ceux qui sont autour, c'est-à-dire ceux qui vous envoient l'information, cette forme d'information-là, ça vous déstabilise vous-même. J'ai attrapé mon épouse. À un moment donné, je l'ai laissée. Je suis resté seul dans mon coin. J'ai commencé à prier. Elle dit, tu ne dors pas. Je dis, je ne peux pas dormir. Parce qu'il faut que Jésus règle la situation. Il faut que Jésus règle cette situation. Dès qu'ils sont arrivés, l'ont récupéré, l'ont mis dans la salle de réanimation. J'ai dit à mon époux, c'est fini, le miracle est fait. Amen. Amen. Donc les gens sont partis. C'est pour ça que vendredi, on n'a pas travaillé. Vendredi, on est venu un peu tard parce qu'on a même loupé, parce qu'on n'a pas dormi. Hein. On a fait une veillée pratiquement. On ne pouvait pas expliquer la chose. Nous, on vivait la chose, tout ça. Et donc, le lendemain, j'ai appelé. J'ai dit à mon épouse, on a appelé. On appelle les gens pour dire ça.
C'est alarmant. J'ai dit à mon épouse, j'ai dit le miracle, Dieu m'a dit, le miracle est fait. Vous comprenez? Dieu m'a dit le miracle est fait. Ok? Et donc j'appelle sa petite soeur qui est dans le corps. J'ai dit, ils disent que ça avait saisi, j'étais au courant. Je suis déjà au courant. Quand on la prenait pour l'envoyer au blog, qu'elle est tombée, qu'elle est là-bas, la tension faisait 22. J'ai dit, maintenant la tension fait combien? On dit 16. J'ai dit à mon épouse, c'est fini. Le miracle est fait. Et ils étaient en train de tourner pour faire les examens, tout ça. Que ce n'est pas évident. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, je crois à la puissance du Saint-Esprit. Je crois à mon ministère. J'ai une alliance avec Dieu. La chose est la fin. Le soir, on appelle, on dit, le médecin dit, elle a 90% de chances de s'en sortir. Encore ce matin, nous avons une photo, une vidéo où elle tente de sourire pour elle. Amen. C'est ça, on est quelqu'un à la foi. La foi en Dieu nous empêche. C'est-à-dire, la foi, quand tu as une confiance totale en Dieu, au moment où les gens désespèrent, toi, tu crois. Amen. Tu ne te laisses pas influencer parce que tu entends. Tu ne te laisses pas influencer parce que tu vois. Mais ta foi. La Bible dit dans Hébreux, le chapitre 11, que la foi est une certaine assurance. Des choses qu'on espère. Elle se démontre. J'ai démontré, j'ai dit à ma femme, ça va, enlève ça dans ta tête. Vite, dis ça. Vite, et c'est fait. Et c'est fait. Arrête amen, de penser. Amen. Amen. Or, dans Hébreux le chapitre 11, le verset 6, on dit sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu n'as pas la foi, tu le sous-estimes, tu le banalises. Tu le mets au même niveau que toi, frère. Il est le temps des miracles. C'est pour ça qu'il est Dieu. Tu ne peux plus faire des miracles, il n'est plus Dieu. Or, celui qui est l'auteur des miracles, c'est Dieu. Quand Dieu est miracle, il est surnaturel. Il n'est plus naturel. Les gens, ils croient en Dieu. Ils savent que Dieu existe, mais n'ont pas foi en lui. C'est vrai, mais... Vous allez poser la question, pourquoi tu ne l'as pas guéri? Le Seigneur m'a dit, il allait la faire reposer. Il faut qu'elle se repose. C'était pour lui une stratégie. Et j'ai posé la question, elle ne se repose pas. Elle est toujours connaissée la maman au village. Elles sont toujours, elles pensent qu'elles sont encore l'âge d'avant. En train de tourner. Vous comprenez? Pour qu'on puisse comprendre aussi qu'elle est humaine comme tout le monde. Pour qu'on puisse lui donner aussi du repos, qu'elle en ait besoin. Donc souvent Dieu crée des choses pour nous amener à comprendre beaucoup de choses. Amen. Amen. Donc, la croyance, il y a des gens qui croient en Dieu, qui croient que Dieu existe, qui croient, non, Dieu, il existe, non, Dieu, je crois en Dieu, mais non pas en lui. Face à une situation, on t'annonce quelque chose et tu es désespéré, tu es déséquilibré, et tu t'apitoies sur ton sort, tu ne sais même pas où mettre ta tête. J'ai perdu. Ça, c'est pas ça, on a dit foi en Dieu. Tu crois en Dieu. Mais tu te dis, cette situation ne peut plus. Ça, c'est dangereux pour toi-même. Regardez ce que Moïse a fait. Regardez Moïse devant la mer rouge. Quand vous regardez Moïse devant la mer rouge, l'océan, les adversaires sont juste derrière. Il y a l'océan devant la mer rouge. Moïse dit au peuple, il dit, l'Éternel combattra pour nous. Vous gardez le silence. Ceux-là, nous allons les exterminer bientôt parce que Dieu est avec nous. Quand Dieu est avec vous, ce qui est impossible, il rend ça possible. C'est ça que sur le principe de la foi, Dieu travaille avec la foi. Dieu travaille avec la foi. Si vous n'avez pas la foi, quelle confiance totale en Dieu, il sera difficile à Dieu de continuer d'agir dans votre vie. C'est pour ça que beaucoup de personnes perdent le miracle. Ils perdent. Ils croient en Dieu, mais petit chose leur arrive tout de suite. Les voir deux fois, bah si, ça prend un coup. Parce que le médecin vient t'annoncer ça. Lui, il est médecin. Ce n'est pas lui qui guérit. Excusez-moi. Il ne guérit pas.
C'est Dieu qui guérit. Lui te dit ce qu'il connaît. Celui qui apporte la véritable guérison, c'est Dieu. Alors si tu es connecté, si ta foi est connectée en lui, mais tout va bien. Tout ira mieux. On m'a bien saisi. Donc, la foi, sans cette foi, il est difficile d'obtenir un miracle de Dieu. C'est pour ça que les gens viennent à l'église, certes, parce qu'ils croient en Dieu. Ils savent que Dieu existe, ils savent que Dieu est présent dans un lieu de culte. Mais quand tu le regardes en réalité, quand tu les entends parler, ils n'ont pas la foi. Parce que quand vous voyez, tu les entends parler, leur foi est limitée. Ils ne font que raisonner. La foi, c'est quoi? C'est quand on voit, n'est-ce pas? Pendant que toi, tu es malade, pendant qu'on t'annonce la maladie, toi, tu te vois déjà guéri. Amen. C'est ce qu'on appelle la foi. Amen. Amen. Mais les ennemis de la foi, c'est ce qu'on entend. Et ton entourage peut mettre un obstacle à ta foi. Peut même détruire ta foi. Vous m'entendez? C'est pour ça qu'à un moment donné, il a dit à mon épouse, ne te fie pas ce que les gens te disent, mettons notre foi en action. Regarde ce que Dieu nous a dit. Mettons notre foi en action. Notre foi, mettons-la en action. Et il aura le miracle. Parce que humainement parlant, il n'y avait plus de solution. Mais nous, pour nous, il y avait une solution en Dieu. Il y a toujours une solution en Dieu. Alors si vous voulez regarder ce qu'on vous dit, et que vous ne croyez pas aux promesses de Dieu, ça veut dire que vous ne croyez même pas en lui, vous ne faites pas confiance. Ça veut dire que l'ennemi venait par l'arrière pour attaquer le peuple d'Israël. Les gens venaient, ils étaient là. Il y avait l'océan devant. Mais regardez, Moïse avait la foi en Dieu. Il dit, l'Éternel combattra pour nous. Mais regardez, le peuple, les gens commençaient à murmurer contre Moïse. Vous m'avez entendu? Ils ont commencé à murmurer. Nous voyons l'océan. Nous voyons nos ennemis, mais ils ne voyaient pas au-delà du Dieu qui est fort, qui est capable lui-même de fondre l'océan. Amen. Amen. Donc ça veut dire qu'il t'a vu, t'a amené de voir, peut mettre un obstacle. Or, tu peux entendre des choses, tu peux affecter ta foi. Ok? C'est pour ça qu'à un moment donné, fermez l'oreille à tout ce que vous entendez qui vient influencer votre foi. Vivez, la foi c'est spirituel, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Pendant que vous entendez les choses, qu'est-ce que ta foi te dit? Est-ce que tu crois au miracle? Oui, dis ça. C'est ce qu'il a dit. Appuie-toi sur ce que Dieu dit. Ah non, mais il m'a dit, c'est un cancer. Qui guérit le cancer? La soeur a rendu le témoignage, mais elle était guérie du cancer. La machine? Non? Oui. Elle était guérie du cancer. Je lui ai donné une révélation puissante. J'ai même dit, il ne va pas là-bas, elle allait faire ses examens, le gars voulait l'opérer, tout ça. 1er janvier, non? Et le 1er janvier, comment un médecin peut appeler quelqu'un 1er janvier, vous dites, viens l'opérer. C'est bien, tout. C'est bien, tu amènes la sauce, on va ouvrir. 1er janvier, on attend les moyens, pour toi, tu veux l'opérer. J'ai dit à la sœur et ma fille, si tu acceptes d'être opéré, c'est un des mecs qui nous a parlé de la situation, et j'ai commencé à prendre la situation, j'ai dit, si elle s'opère, elle reste dans l'opération. Et j'ai dit, ainsi par l'Éternel, Dieu me dit qu'il va t'en sortir, mais n'accepte pas l'opération. Derrière l'opération, il y a la destruction. La vacine, elle n'a pas accepté la vacine. J'ai guéri ou pas? Papa a prié si guéri, c'est pour ça que je danse ici. Voilà le temps, je danse. Quand tu es guéri, tu danses. Dieu t'a guéri la foi. Amen. Tu ne peux pas délivrer de plus. Amen. Donc j'ai commencé à remplir son cerveau des choses de Dieu. Pour lui dire, non, voici ce que Dieu dit. Ils vont t'opérer, certes. Il ne pourra pas te dire. Donc choisis. Vous avez le choix. Hein? Vous avez le choix de banaliser Dieu. Hein? Chacun est libre. Hein? Si vous voulez marcher selon votre entendement, vous allez mourir de la situation dans laquelle vous êtes.
Si vous voulez marcher selon ce que l'on dit, vous allez mourir de cette situation. Ce que vous devez faire, c'est de vous appuyer sur les promesses de Dieu. Amen. Dieu ne trahit jamais. Si vous saisissez les promesses de Dieu, excuse-moi, Dieu continuera toujours.